Salut à tous, c'est sur Magic Arena FR, comment ça va, fou Ça va très bien, et toi Ça va très très bien. Oh, je suis aspiré Et non, pas du tout, ce n'est pas un vortex, c'est la caméra de Val. Ça va très très bien ce soir, on se retrouve pour un petit peu de... Rossez-vous si vous pouvez, surprise, c'est ce soir. Et non, c'est pas ce soir, oh, j'ai gueule, oh bon, C'est la blague Bienvenue dans l'alchimie. Oh, il y a un événement qu'ils n'avaient pas dit. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et ça, ça fait plaisir. On a euh, okay. trois petits boosters alchimie à gagner, et... Et 2000 XP et c'est gratuit, et ben, ça régale ça. Et ben on va le faire maintenant ben, pour écoute, découvrir les decks. Pas. Tu peux le faire avec n'importe quel deck Alchemy. Euh, ben, je pense que c'est le but, oui, attends. Euh, tac tac et tac. Ben, écoute, ça me paraît être tout à fait indiqué pour le stream de ce soir dans Mais ce cas-là. C'est parfait. Merci beaucoup Aéria euh, pour gaming. Merci beaucoup Aéria. Et je suis très déçu du coup qu'il y ait une traduction française à Alchemy qui s'appelle ouais. Obviously euh, l'alchimie. Parce que je m'étais fait, euh, je m'étais fait au fait de, de dire alchemy pour le coup. Comment vous allez ce soir Est-ce que vous êtes chaud pour découvrir de la belle magie de l'alchemy, le nouveau Mais format On vous a préparé des petits decks aux petits oignons, histoire de passer un bon moment, bien évidemment. Tester des nouvelles cartes, peut-être des cartes nerfées. En vrai, on a plus de nouvelles cartes que de cartes nerfées dans les listes. Mm. Et bon, ce qui est plus important, c'est de découvrir des choses ce soir. Exactement. Merci beaucoup à Bulent Folie pour le Prime Gaming. Euh, merci aussi à Yop Solo pour le sub euh, tout à l'heure, pour le Prime Gaming également. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sub, merci énormément. Et merci d'être là aussi, pour cette, euh... pour cette douce soirée. Mais bien sûr, les gens demandaient, j'ai vu, est-ce qu'il y a un code Play Alchemy ou quoi Pas à ma connaissance, mais quand tu te connectes, tu as trois boosters, six rares et une mythique. Euh, ouais. Donc six rares et une mythique, pas dans les boosters, hein, en plus des boosters. Et, euh, pour ceux qui veulent mettre des sous-sous, il -sous, euh, y a un pack euh, achetable une seule fois uniquement, euh, qui coûte 3 000 gemmes ou 15 000 gold et qui vous donne 20 boosters. Sachant que vous voyez, à côté, vous avez la comparo, c'est 15 boosters dans le monde. Donc, en fait, vous avez 5 boosters offerts si jamais vous, vous prenez ce pack-là. Euh, vu le nombre de cartes qui seront potentiellement jouables à la fin, je trouve que c'est euh, intéressant si vous voulez vous mettre à l'alchimie, de prendre ce petit pack-là en plus de tout ce qu'il vous offre. Vous craftez 2-3 cartes à côté et vous avez une bonne base pour le format. À mon avis, c'est assez worse. Pas besoin de, ouais. de trop trop investir, en tout cas pas au début. Oh là là, On a du mal, je vale. estimer. Ouais, on a du mal à estimer le nombre de cartes qui seront jouables dans l'alchimie. C'est mmh. sûr qu'il y en a quelques-unes qui sont fortes. Il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas l'air d'être si fortes que ça. Donc c'est vrai que pour le coup, 20 boosters, ça paraît suffisant en tout cas pour faire ses premiers pas. Sachant, on le répète et on ne cessera de le répéter, que vous pouvez continuer à jouer en standard, ou alors que vous pouvez jouer vos decks standard en alchimie, juste en modifiant quelques cartes. Voilà, sachez-le. Yep, petit avatar euh, sympathique Doco et euh, les plus beaux landes de la Terre qui euh, sont sortis. Voilà. Putain mais j'y pense, on est sur mon compte là. On est sur ton compte, oui. Mais tu sais que je suis un énorme con. Pourquoi t'es un énorme con Alors à ton avis, devine, pourquoi est-ce que je suis un énorme con Petit quiz. Petit pourquoi est-ce que sur cette page, je viens de me rendre compte que je suis un énorme con euh, Parce que t'as pas pris le bundle et que t'as ouais. acheté des boosters déjà. Bien vu. J'ai voilà. acheté euh, 20 euros pour avoir 3400 gemmes que j'ai utilisées dans 15 boosters. Bah écoute, la bonne nouvelle c'est que t'as encore le bundle à acheter. <laughs> ouais, bah, je pourrais racheter le bundle pour une autre fois. Mais quel, euh, quel imbécile, quoi. Oh le Z, oh le Zozio. Bon, c'est pas très grave. Ce soir, qu'est-ce qu'on a au programme Ça commence là Ou bande-partie Ça commence chose là, ouais. ouais. Non, non, ça commence là. Il y a bande-partie, ça nous permet de tester euh, bah, déjà une synergie qui est un petit peu en, en retrait dans le standard actuel, mais qui peut-être peut être poussé par l'alchimie et qui nous donne accès à une nouvelle carte qui est l'ange de l'unité et mmh. la version nerfée de l'aspirante luminarque. On a essayé dans chaque deck d'avoir au moins deux cartes qui sont euh, différentes des versions de standard, histoire d'avoir un peu de nouveauté. Alors yep. ça, c'est pas le deck le plus nouveau. Cela dit, c'est un truc qu'on qu ne voit absolument pas du tout en standard. Bah, de ouf, ouais. Il euh, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Et c'est vrai que cet ange de l'unité, moi, je l'aime beaucoup. Euh, Il a l'air fort. Bah, si tu prends juste les stats qui fait gagner et, euh, et les stats qu'il a, c'est comme si tu avais une 2-4 vol lifeling pour deux. En stats, c'est euh, quand même vénère. Quoi. Et si jamais il reste sur le board, ça fait des queues Ouais, donc ça peut être euh, très très bien. Il faudra tester cette liste-là qui est globalement peut-être la plus faible. Celle-là, je l'aime beaucoup. On en parlait lors des reveals de la mécanique Sacrifice qui était poussée notamment grâce à coup de pinceau sanguin qui va te faire venir un blue d'artiste et qui va transformer tes jetons sang. En euh, petite créature que tu vas pouvoir euh, euh, pinguer. En tout cas, ton effet bleu d'artiste va marcher sur les jetons sang. C'est plus clair dit comme ça. Ça oui. va très bien synergiser avec euh, ben, tous les effets sacrifices, les massacres au croc de boucher euh, et, euh, et Jadar notamment. Et puis à côté de ça, on a plein, euh, plein de cartes qui vont synergiser avec, comme l'envoûteuse envoûtée qui va nous chercher des générateurs de sacrifices. On a classe sorcier qui va mettre plein de dégâts à distance. Vraiment, cette liste-là, ça ressemble fort à un vrai deck tu vois il y a vraiment il euh, y a vraiment moyen je pense c'est quoi ça bon il m'entretient chaque sacrifie. toujours sacrifier un jour enchanté il sacrifie une créature en pleine au cœur sinon ne peuvent ok c'est une carte d'Ixalan ça, ou à mon 4, je crois euh, à mon, ouais, 4. À mon 4, je crois c'est drôle et le Nouveau Havre sans visage aussi qui est justement fort il est un peu moins fort, mais, euh, mmh. mais voilà, vu que tout le monde avait pris un petit coup, je pense euh, à tous ouais. euh, les decks Short et au deck Easy euh, Turn, c'était aussi important de mettre un petit coup à Havre sans visage. Ça reste tout à fait jouable, obviously. De ça, c'est une délice qui me plaît le plus, hein, avec le petit picker sinistre, mmh. les disputes mortelles, le petit drapin qui va nous chercher des enablers. Je pense qu'il y a un vrai bail avec ça. Moi, c'est celle-là qui me plaît le plus. Ouais, elle est giga sweet et je t'ai écouté, j'ai enlevé le drop 4 qui rampait, parce qu'on a déjà les clés des archives plus tous les autres effets rampes et on ouais. a rajouté des espoirs volatilisés, ce qui okay. va permettre de synergiser avec notre horbriscoque et de temporiser leur ligue game comme tu le suggérais tout à l'heure. Ouais. Ouais bah moi ce qui me fait peur c'est Thalia en fait. Talia elle a pas été nerf. Et d'ailleurs, si jamais vous vous demandez, les cartes très emblématiques de Magic ne seront jamais touchées normalement en alchemy Parce que justement, ça sert de, de point de comparaison. Vous vous dites un, un bon drop 2 blanc, euh, Thalia. Deux initiatives qui, euh, qui de initiative qui taxe de 1. Et euh, du coup, ils feront pas normalement une Talia euh, qui, qui est à 1 pour 2, qui, euh, qui taxe euh, que les rituels ou éphémères. Il euh, y aura pas de, de trucs comme ça. Les cartes très emblématiques, ils vont pas les toucher. Ils ne vont pas faire une foudre qui fait 2 pour 1. Ça existe déjà, c'est choc. Ouais, bah, c'est euh, euh, cool d'avoir ce parti pris en mode euh, les trucs classiques que les gens connaissent, on touche pas quoi. Donc si jamais c'est ça c'est pété, bah c'est juste ban. Si jamais c'est problématique. Merci beaucoup de pêche pour le 22 deuxième WhatsApp, bientôt deux ans, incroyable. Merci beaucoup. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une decklist qui est très rampish, avec pas mal du coup d'efferempes, avec notamment le, la nouvelle unko qui est très très bien. Et ouais. en plus, on va avoir de quoi euh, récupérer des spells un petit peu à tous les tours, parce qu'on a des drops 4 à récupérer, des drops 5 et des drops 7. Ce qui fait qu'à part euh, le tour où tu as 6 mana quand tu joues, t'installer dans les friches, mmh. euh, tu auras toujours un truc à récupérer dans ton deck. Ouais. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Trop sweet de faire euh, ça à 3, euh, tu as 4 terrains, du coup, tu vas charger forcément ta clé des archives. Exactement. Au suite. Je... Je suis fan du deck. Fan de. Ouais. Euh... Giga sweetense. Et voilà. Euh, et le but, c'est soit on tue avec un approche du second soleil qu'on a trouvé, soit euh, on tue avec messieurs les pâtés d'ailleurs. Et à 6 pâtés, peut-être que ça fait beaucoup. Mais en même temps, on, on veut les trouver. Non, parce que après, tu regardes le, le reste du deck. Voilà. Si tu les trouves pas, tu te retrouves à ne pas réussir à tuer. Donc, euh, en fait, comme c'est des pâtés que tu vas réussir à jouer à la main, c'est pas comme si tu jouais réanimator et où tes cartes sont incastables. Ouais. Euh... Je pense que ça peut. ça peut. Je pense que tu en as envie d'en en avoir un sacré nombre. Yep. Je sais qu'il a fait sondage et du coup, sachez qu'il n'y a qu'une seule réponse qui est valable. Allez-vous. Et dernier deck. Enfin, on a d'autres decks aussi, euh, notamment un beau petit mono-raid. Mais, euh, mais pour l'instant, on a monté ça. Il hein ouais, y a, y a, y y a y un problème. Le chariot des Zika ne ah. n'existe pas. Ne se met pas dans. En gros, la version transformée du chariot des, des Zika existe, mais tu ne peux pas la mettre. Dans ton deck. Euh... Attends. Comprends-tu Je comprends. Et ouais, il te met euh, celle-là. C'est un petit bug. On sait, voilà, c'est soirée de pré-release. Il y a deux, trois petits trucs à. À modifier, euh, c'est le seul problème que j'ai eu pour l'instant. C'est avec ouais. ce charodésica que j'ai pas réussi à mettre dans la liste. Par contre, du coup, je voulais en parler directement avec toi euh, sur le live. Tu vas aller dans le filtre, mettre drop 4 vert et on va aller juste trouver des petits remplaçants exact. Euh... Tac, tac. Et j'en ai déjà deux en tête. Si tu veux, si tu veux, tu veux savoir créature vert, ce serait, tu gagneras plus de temps. quoi. Créature, on va ouais. mettre une fois le loup, euh... c'est bon. Tu t es, t étais là, Hop. on y était. Va tu vas mettre une fois le loup, une fois le 5-4, et comme ça, au moins, ça aura oh de droit à tester. Très bien. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, en vrai, le 5-4, c'est juste 5-4 piètes. Hein. Oui, mais c'est surtout parce que je ne peux pas. En fait, euh, je voulais tester la version nerf de Chariot parce que euh, donc, euh, Charles Wickham sur Twitter ouais. euh, m'a force... fortement incité à tester quand même la version de Chariot. Moi, je pense ouais. que ça a été vraiment très nerfé et que la carte est devenue injouable. Et il avait pas mal d'arguments contraires. Donc je me suis dit, plutôt que de jouer 4 bizarreries euh, de Dolvenwald, mm. je vais faire 2 bizarreries, 2 charodésica. Comme ça, au moins, on laisse un peu sa chance au produit. Sauf qu'en fait, la chance au produit, euh, je n'ai pas pu la laisser parce que le jeu ne me le permet pas. Donc du coup, allons tester. Euh, Profitons-en pour aller, allons, aller tester d'autres cartes. Et ben c'est parti. C'est euh... vrai qu'il a été full nerf en vrai, le chariot. Hein, parce qu'on ne peut plus jouer. Du coup, il était beaucoup trop nerf. Il était ban en fait. Euh... Le, le plus gros nerf on modifie mais on, on s'en fout on joue pas on part en événement on va faire du BO1 pour l'instant comme ça on teste ouais. euh, et on rencontre plein de decks oh c'est oh, stylé mec je vais les ouvrir direct tu vas les ouvrir direct allez c'est parti comme ça on voit ce que ça donne putain quand je repense que j'ai pas pris le bundle mais comment je... mais je suis vraiment fatigué moi c'est pas possible hein. Ishkana petite mythique ah, je mets très bonne carte Ishkana un peu en écho chez toi voilà. ah, oh, on, on peut mettre ça en drop 4 aussi dans le deck hein. Faut exiler des cartes du cimetière, je sais pas si c'est pas... Ah, c'est peut-être mieux que la 5-4 qu'on a mis, euh, cela dit. Hein. Oui, oui, ça doit être mieux que la 5-4. Ouais. Alors pas de mono Red Burn, bah écoute, euh, Tyriana, le truc c'est que c'est pas facile d'avoir euh, tout à crafter. J'avais déjà euh, euh, acheté 3000 gènes pour pouvoir crafter tous ces decks-là, et j'avais plus assez pour jouer le mono Red Burn. Cela dit, dans les jours qui vont venir, avec PL, on va faire des vidéos, des streams et compagnie, et on aura le temps de tester ça à un autre moment. Voire même ce soir, si on a fini de jouer tous les decks et qu'on en veut encore. On pourra aller le crafter sur le compte de PL, par exemple. Ah, ishka, je vais le remplacer directement. Ouais, ouais. Euh, tu peux me baisser un petit peu chez toi, Val, voilà parce que je m'entends en écho. D'accord. N'hésitez pas à dire si le son euh, est problématique de chez vous, on le corrige directement. Euh... Ça vous évite de passer une mauvaise soirée Alors moi, de je manière commence... auditive. Je commencerai bien par Sacrifice aussi, micro Peut-être Sacrifice. Ça a une Fais-nous rêver. Je pense qu'on va bien s'amuser avec Sacrifice. D'ailleurs, je sais pas si je peux changer de deck entre temps ou si je dois concéder l'événement et le refaire, je sais pas. A noter qu'en deck burn, on en a un dans les tiroirs, avec notamment le dragon qui aimait bien PL pendant les reveals. Si vous n'avez mmh. pas vu la vidéo reveal, c'est sorti hier à 17h, elle est très longue, elle dure deux heures, mais il faut vous rendre compte qu'on parle de 70 cartes. Ce qui est, est énorme. la première fois, c'est plus que euh, n'importe quelle vidéo de reveal, c'est même plus que deux vidéos de reveal que l'on fait à, à la sortie de chaque extension. Donc en vrai, deux heures, euh, c'est le temps logique pour parler d'autant de cartes. Je gardé cette main parce qu'on peut faire dispute tour 2 euh, qui va nous permettre de jouer ça. Elle est très ça, très ouais. bonne cette main. Elle est très très bonne. Je m'entends encore un peu, je suis désolé. Ah je peux pas faire mieux là parce ouais. que moi je t'entends très peu. Euh... Tu t'entends beaucoup là Allô allo oh, Ouais allô. pas mal quand même. Mais comment 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 ça se fait Je sais pas du tout. Euh... Pas d'attaque. Genre là tu t'entends chez moi Ouais je m'entends encore. Là aussi? Allô allô. Ouais. Mais on a fait low-cast pendant trois jours avec ce setup là. Bah écoute, euh, je ne sais pas quoi te dire, mais là je m'entends en tout cas. Ah. Ah peut-être que je m'entends plus. Et... Vous entendez très Nous légèrement. Entend, très légèrement, en tout cas pour moi. Bise. Euh, est-ce que je, enfin ouais, je vais dispute, mais Qu est-ce ouais, que, que je fais vais la là dispute. Je pense que tu euh, ah c'est chelou, je crois qu'il faut que tu fasses un trésor. Bah si, si, si ça pose un problème en termes de... Et là on va faire un petit coup de pinceau je pense hein. Petit coup de pinceau tranquillement. Nous, j aussi, envie de jadar. De Il faut que vous nous disiez sur le chat et nous on s'arrange. Ouais tu peux faire un petit jadar ouais. Parce que sinon moi je peux changer de, de setup. Salut Diablo. Ah je crois que je ben... m'entends plus là. Ok. Non mais c'est surtout, en fait à la limite si toi tu m'entends un peu, c'est désagréable mais c'est pas trop grave, c'est surtout le chat. Mm. On pourrait jouer cette, ce drop 3 là, si griffe effectivement le, le 1-4 de DD. Le truc c'est qu'on a le scorpion qui a un effet un peu plus euh, instantané, si tu veux. c'est sweet là hein genre on s'est fait tuer notre j'adore mais euh, j'ai l'impression que j'en ai quand même rien à foutre le coup de pinceau et blue d'artiste salut euh, KOMTG franchement ouais ça a l'air cool c'est cool je peux saucer mais il bloque bon alors il bloque et il learn après c'est pas grave s'il si bloque non je crois que là je peux je peux juste faire space meuille et... et recycler un, un massacre au coup de boucher en fin de tour ou recycler maintenant en fait Ok, si tu veux. C'est pas mal aussi d'établir notre, notre croc hein, le plus rapidement possible. T'aurais pu d'abord jouer ton cro en plus. Euh, avant de faire ça Ouais, on, on aurait pingé de 1 de plus, non Non. Non, parce ah que c'est pas, pas une créature qui meurt. Oh, ouais, ok, ok. Ah, c'est pas mal ça. Ok, bon, vas-y, joue tout. Hein. Alors je sais je très bien ce que fait notre adversaire, il joue une version euh, standard. Ouais je crois que je suis activé pour être mal Ouais. Il joue une version du standard, notre pot. Euh, malheureusement avec aucune nouveauté, il joue juste les versions hors off qu'on a pu voir lors de l'Inistra Championship et elles sont mmh. tout à fait légales en, 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 en alchimie Ouais il forme ses petites récompenses quoi. Ouais, il a bien raison de faire ça. Mais le problème c'est que pour nous euh, ça sous-entend devoir battre un un deck euh, bah euh, plutôt fort quoi j'ai bien envie de space piqueur, picker passe ouais j'aime bien après il y a un moment à faire setup aussi notre massacre hein, on perd plein de points de dégâts ici euh... oui putain c'est vrai ouais je le voyais vraiment comme une vrasse mais, mais pas du tout ah non c'est un Enabler un peu chez nous bon on pioche c'est lui qui perd des PE. oh sweet ça sorti là non Je suis dans deux tours, je la caste. Moi ouais, ça me va. Ou je peux aussi exiler son Edgar, hein, qui est chiant. Ah, tu sais, tu peux l'exiler, ça me paraît pas trop ouais. mal. Ouais, je vais prendre ça. Je vais une petite envoûteuse. Pas d'attaque. Pas d'attaque. son petit ah, j'aime beaucoup ce qui se passe. Hein. Ah, et là on va le grailler petit à petit. Mmh. Et contre les jeux agro, en plus, t'as une défense. Euh, genre avec tes quatre massacres, il t'arrive rien du tout. Hein. Ah, t'es bien. Ah bah, GG à toi. À Robaz. Ah, du coup, il ouais, euh, y avait une question auxquelles ils n'avaient pas la réponse encore. Enfin, on n'avait pas la réponse. Est-ce qu'il y avait des wildcards quand même dans les jokers, dans les boosters Alchemy Oui, et du coup, en oui. Eu. Ça, c'est très bien. Parce que s'il n'y en avait pas, c'était vraiment chiant. quoi. Ouais, ah, ils se prenaient un procès, Wizard. <laughs> ouais. Bim, ça tombe. Ils se prennent déjà un petit procès parce que c'est vrai que c'est quand même difficile de récupérer ces cartes-là. Mais. Euh... On va voir en fait si, genre, c'est des, des bons ajouts. Euh, sur les 60 cartes, il si y en a 15 vraiment jouables. Ça reste OK, quoi. Si par contre, toutes les 15 sont très jouables, alors c'est bien pour le format, mais économiquement, c'est très bien. Mais c'est dur, dur à récupérer. Je suis d'accord avec toi. Et dans ce cas-là, si en fait, sur les 60 cartes, il y en a que très peu qui sont jouables, alors oui, on va pas avoir beaucoup en, on va pas en avoir beaucoup à récupérer. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas les mettre, tu vois Ouais mais pour l'instant je trouve qu'il y a un bon équilibre entre on veut mettre des cartes fun qui sont dispensables et on a quelques cartes qui vont impacter le format pour le différencier du standard là de ce que je vois j'aime beaucoup ce qu'on fait déjà tu vois tu peux aussi attaquer avec ton piqueur non oui j'aurais pu je pense que c'était pas mal hein alors mais là je suis concentré sur ce qu'on raconte je suis euh... je joue euh, à demi mot et du coup première mécanique oh avec un très belle animation ça quand tu as sur bataille, euh, drain de vie 2 on a une 2 de fly et ça qui reprend une bête du cimetière j'aime bien ça hein ouais j'aime bien aussi ouais je prends le land je crois j'ai pas landé ouais vas-y vas-y tranquille et j'ai landé j'ai ah, menti Et si c'est si pas grave et ça obviously très très bien payé hein. donc mmh. double ping euh, j'avais pas le choix parce que j'ai trop mal à noir et j'ai dû payer 2 pour ça ah d'accord ok et ouais on a trouvé 4 avos sans visage sur 4 et je pense que euh, on fait des trucs pas trop mal avec notre deck et qu'il va pas être euh, capable de nous arrêter ou de nous empêcher de le ping à distance en tout cas. Ah bah euh, ouais c'est clair. Lui il a un peu cette mécanique là chez lui mais euh, non on s'en fout. On va te cry mon pote. On ping tout à distance. Euh... Enfin il est pas très bien. Hein. Bah non il est pas. La seule euh, non, euh, du nombo du deck c'est Crow avec artiste de sang quoi. Ok. Oh, le double ping. Sachant que dès que tu as 7 mana, tu peux aussi augmenter ta classe euh, Warlock au dernier level et ouais. faire énormément de dégâts. Alors là, tu peux reprendre n'importe quelle créature, à moins ce que tu préfères EP euh, une de tes classes à 7. Je crois pas que ce soit utile euh, dans ce tour-ci. Alors je la mets au-dessus. Dans tous les cas. Ok. Je je reprends... bah, tu peux la mettre au-dessus, buffer, buffer, euh, buffer une des classes. Je reprends Spacemoy, non C'est pas mieux un Piqueur Piqueur, j'ai rien à sacrifier, là. Ok. Spacemoy, ça va chercher sortie. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Parce que là, est-ce que t'as pas bientôt l'étale avec ton Massacre Si non, je fais sur Massacre, euh, il va prendre... Attends. Il prend un point de vie... Il euh, y a trois autres bêtes qui meurent, donc il perd 4, 5, 6, 7, 8. Ah, il, y a un, il est, on est one-off. Est-ce que là, il ah, faut pas je vais juste lui mettre activer un coup de havre Ouais. Ah, ça. Euh... Ah, tu commences d'abord par euh, massacre Ouais, parce que je vais tuer ça, et je vais mettre un coup de havre, et je crois que je le tue. Ok. Si je le tue pas, c'est pas grave, c'est pour la science. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a moyen encore de designer cette game, de la naviguer un peu mieux. Mais euh... Ouais, j'ai loupé des droppings. On découvre, hein. On découvre. laissez nous lui, appréhender Amazon. ce petit format délicieux. Il est, déli il est succulent ce format. Et là c'est vachement bien parce que du coup, tous les decks midrange ou agro qui vont te laisser faire, tu vas forcément finir par les grailles. Mm. Donc si on estime qu'en alchimie, Isetter n'existe plus, eh ben on a affaire à un vrai deck. Eh ben il a explosé. Mais mec, quel plaisir. On a battu un vrai deck, hein solide ah mais le, le côté graille il peut pas trop nous, nous bidon et tout c'était très plaisant en fait c'est genre tu veux faire ça bah ben, nous on fait ça mieux en fait ouais on va faire ça mieux nous on n'a pas besoin de, de l'olt on a battu Grégor Kowalski hein. c'était alors c'était lui ou assimilé ou voilà et ah, une copie ah ok on peut changer de deck oh, pendant les matchs chaque... mec viens je change ah bah vas-y change oh le simicrope oh il part ah oh, si 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 il part mec mec c'est ultime Allez, me ben mettez pas ils ans ça. S'il vous plaît. Ou alors si, comme ça, Comment on voit ce que la ça personne ne comprend rien à l'alchimie, Val d'Orange. Non, mais tu rigoles ou quoi Si tu comprends rien à l'alchimie, c'est que tu pas regardé les vidéos. Il y a les vidéos, il y a les articles, il y a les streams. À un moment donné, il faut se renseigner. On a été très clairs, nous. Ah, c'est dommage. Hein. J'ai aucune rampe. Là, on est très dépendant de la drogue quoi. Après, on a un Sky 1 si je joue une bête. Et si je joue pas de bête, on attend de jouer nos clés. <laughs> ouais, ok. Ouais, ouais, allez, ah, si tu si, veux. Ah, okay. si, 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 si. J'allais la mouligane jusqu'à ce que tu euh, invoques euh, ces arguments euh, bien que branlants, fort intéressants. Irréprochable. Ir... Intraitable. Oh, mec, putain, il est bon. Mais ça, mec. ça fait que les archives tour 3, ça. Mec, juste main. ultime. Just insane. On peut jouer avec des cartes ça. bannies du coup. Eh hein. oui. Oh, je sais ce qu'il fait, lui. Je reconnais. Euh, lui, il veut jouer euh, notre ami Omnat. Oh. Allez solide. Bah tu peux d'abord passer par ça d'ailleurs, hein, vu que t'as rien à accélérer avec ton archive. Et tu prendras de l'information sur le spell que tu veux le tour d'après. Et comme ça, je boone son truc là. Ouais, si tu veux. Quel plaisir. Donc là, mana vert, si tu veux pas faire de bêtises. What Mec, c'est juste incroyable. What, what, what Bah ben quoi Trouvez une carte de terrain de base et mettez-la sur engagé. Ben mais pourquoi bien. ça m'a mis une île Ah non, mais y a un bug, là. Quoi <laughs> cool. Ah ouais, j'avoue. Pourquoi t'as pioché un land Attends, je suis abasourdi, tu me permets <laughs> tu... Laisse-moi dans mon abasourdance Attends, attends, attends attends. <laughs> Quoi attends. Ouvre une carte de terrain de base Et mettez-la sur le champ de bataille engagé Mec, c'est incroyable carte... Oui, oh oui, en fait, on pioche Un land, et ça, et ça met le land en jeu Mais Sauf là, que ça là... nous a mis un land en jeu Attends, est-ce que je peux jouer le... Non, tu peux pas le jouer. Ah c'est un bug. C'est un, un bug visuel. Ça n'a pas okay, drôle Ça va. Il n'existe ex... un... pas ce land. C'est bon. un bug visuel. Ouais, tu vois, ça nous dit qu'on a cinq cartes en main. Putain, mais du coup, t'as Bottom un land. On pouvait pas jouer notre Vren Seven. Ah ouais De ouf. De fou. <laughs> on a fait se faire rect, euh... quoi. Bon, tu veux Vren en vrai position ici. Ouais. Hein. C'est clair. Du coup, bug visuel, euh, c'est beaucoup moins grave que bug. Euh, bug de oui, carte. oui. Que que bug de carte. Ouais. Vous avez permanent à 4 mana Attends la vie, c'est griffe. Est-ce qu'on a les permanents à 4 manas Putain, <laughs> non, non, lui, il joue vraiment Landfall au max, quoi. Oh, GG, Diablo, qui a enfin terminé les collections des blocs Tempête et Urza après 10 ans de recherche. Félicitations. Ah bah, félicitations, qu -ce qu parce que c'est pas facile à faire les, les blocs Urza, notamment. Et merci à Lady de Nantes pour le sub de ce niveau. 1. Merci beaucoup ou ouais, Eddie de Nantes, Hello. simplement. Oui, c'est vrai que tu as rajouté l'Eddy de Nantes euh, par euh, par fun fact par mais fan d'histoire le PL hein. Moi tout ce qui est euh, raconter des histoires qui se sont passées euh, je suis là. Hein. Putain, mec, je qui fait des trucs sweet en face, mais genre j'en ai rien à foutre, je vais le graille tu vois. Ah oh, putain, exactement ce que je me disais. Moi je fais Vren toi tu fais quoi toi Et j'extra draw Extra draw des cartes mortes. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais lui curver une île là dans le coin de la pipe. Là. Mais du coup, lui il voit que t'as as quatre cartes ou pas? Ouais, ouais. Euh, non, il voit 3 cartes. Regarde. Ah, d'accord. Ok, okay d'accord. J'ai le temps ah, de on sait que changer de deck là MD Luffy on teste on est tout fou, là. on est trop hype c'est pour nous c'est une sortie d'extension hein, littéralement on a la bave aux lèvres on n'est pas bien là oh si je fais 0 je fais quoi là du coup je mets un long eh, ou, ou pas <laughs> tu fais rien donc tu vas pas le faire alors plus 1 hein, tranquille euh, ouais plus 1 pépouze on va se trouver un petit land ou deux oh petits lands même <laughs> ciao Ouf, on est plus discret, bah, discrets euh, là je peux te proposer un petit euh, aubergiste into uh, clé des archives je me propose ce que tu veux, tu es ici chez toi, père. Oh, je fais ce que je veux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va drafter Dites donc. Alors, on tue oh, une bâtisse qui n'est pas noire. On a une foudre et on a ça. Ouais, prends approche, c'est bon. Pas envie de... euh, je me défausse de ça. Hein. Ah, tu dois te défausser quand même. Hein, ouais, ouais. De rien. Ah, oui, bah, quand même. Il y a moi, une limite pas, à l'indécence. J'avais envie de, de fumer. T'aurais pu attaquer avec une 66 C'était bien gentil toi ce soir. Bah, il peut encaisser. Et si on veut faire encore un peu de magie avec Vren, je me dis que ça ouais, okay. peut-être mieux. Je sais pas. J'hésitais. Je me dis euh, là, vu que j'ai Bazar d'Irlande et que l'île dans notre main n'est pas une île, euh, c'est pas mal de Ouais. Oh. de le garder quoi. Il y a quelqu'un qui, qui a une bonne idée dans le chat. Tu peux jouer clé des archives avec tes ferries On peut jouer en bande. Oh. Et du coup, tu détapes les archives pour faire direct de mana et castel spell. Oh Sugoui Merci à Frostbite Musical pour le quatrième mot de Prime Gaming. Merci beaucoup. Et du coup, vu que tu joues plein de mana, tu peux aussi oh, avoir putain. des. Euh... Oh, quest qu fait lui Oh putain Je l'ai <laughs> déjà vu dans un songe des... C'était un cauchemar Ah non, ça c'est terrible. Galvanic itération et approche du second soleil, ça ne marche pas dans les euh, bah tu vas caster deux fois et gagner 14 PEV mais euh, tu vas pas gagner la partie. Mais tu gagnes pas la partie. Hein. Et nous on veut gagner la partie. Comme ça. Là on parle de belle magie. Non mais si ce c'est pas possible. Tu ne peux pas euh, cautionner ça. Ah oh non mais pas Ah y a pas de l'ordre. C'est quoi l'alchimie L'alchimie c'est un format alternatif de, du standard qui a vocation à intégrer des cartes numérique only pour pouvoir être un petit peu un bac à sable et proposer un format qui n'impacterait pas les joueurs papier, ça permet de nerfer et de EP des cartes sans impacter, encore une fois, les cartes en papier, parce qu'elles ne peuvent pas être Mec. up et nerf, et ça permet de redynamiser le jeu Magic Arena une fois que le standard est résolu. Mais je sais que tu es en train de faire n'importe. Non mais j'ai fait n'importe, je... il fallait que je fasse ça, et puis que je me meule. Ah bah ben oui, la synergie Ah mais je peux me détendre d'après, parce que de toute façon je peux le faire qu'une fois. Non, c'est ok, c'est pas grave. Oh la synergie, dites donc. Cette PV, elle donc est là voilà, en C'est un format alternatif numérique only, dédié à Magic Arena, qui est censé venir redynamiser l'intérêt sur le jeu quand le standard a 4 ou 5 semaines derrière lui. Euh, Folkiko. Et ça a l'air très fun, tout ça. Alchimie, c'est pour les rageux de Twitter, Ndmdeluffy Bah ben, je trouve pas. <laughs> Parce que les rageux de Twitter, ils disent qu'ils sont pas les reins pour euh, acheter une nouvelle carte d'alchimie, donc, euh... donc euh, à qui Mais ça il... s'adresse-t-il si même mais eux y ne y peuvent y, a, y jouer, il y a un petit côté, c'est très mal dit de la part de MD Luffy, mais il y a un petit côté, au moins les 1-1 Twitter, ils vont arrêter de 1-1, tu vois. pour ça, oui. Il y a, il y a le côté, bon, bah, on, mais a, ça on ne a compris ce doit que vous voulez. Se résumer à ça. Mais on ne peut pas le faire en standard parce que sinon, on, voilà. on interdit le jeu en boutique, en gros, parce que personne ne pourra suivre. Ça. Du coup, ce qu'on fait, ce qui est super intelligent, c'est qu'on scinde les deux. Ce que vous voulez, c'est là. Et à côté, vous avez le standard euh, classico-bingo. Tout dit, il a tout dit. Je crois que c'est très mais... réducteur de dire que c'est seulement pour les 1-1 Twitter. Non, ça permet surtout de euh, continuer à avoir ta politique euh, en, en fonction du papier sans impacter la politique de Magic Arena. On s'est rendu compte depuis des années, euh, depuis que Magic Arena est sorti, que euh, on consommait le jeu pas du tout de la même manière qu'on le consommait comme un jeu vidéo et non pas comme un TCG. Ce qui fait qu'on fait beaucoup plus de games, qu'on se lasse beaucoup plus vite, qu'on est plus vite frustré. Et j'essaye de nous trouver une alternative à ça, tout simplement. Okay, ah C'est nul ce qu'il propose, lui. Ça, hein. ça, ça ne marche pas, ça, Coco. Allez, je vais bloquer super, mais... <laughs> oh, mais sur le coup, je me dis, là, il y a une dingue ce qu'on ne voit pas venir et, et on part en couille. Pas du tout. 1, 2, 3, 4... Ah, je peux pas drôler 2, là euh, okay. Non, mais effectivement, de toute façon, ça n'impactait pas parce que tu ne pouvais pas... Euh, si tu l'avais fait le tour d'avant, là, tu l'aurais meulé, donc ça aurait été trop dangereux. Bah, j'aurais pas pu le faire, ouais, j'aurais fait un moins 3, mais... Voilà, euh... t'aurais pas pu le faire, donc ça ne change rien. Putain, si non, mais va chercher une, une petite archive Tiens, si j'avais un scruté. Ah ouais ouais ouais. Ah ouais vas-y. Ah ouais autrement. Oh. oh. ça fait quoi réapparition On prend quoi euh, Une carte ciblée puis un cimetière non Oh coma Ko On reprend Cosima ou horreur. Ah ouais, bah, ouais. C'est bien, non Bah c'est pas mal, non? Je pourrais prendre scruté et aller chercher mon... mon truc qui fait gagner, mais bon. Ah bah oui, c'est mieux ouais c'est mieux hein. ah bah non si tu peux pas le jouer dans le tour c'est pas mieux Ouais euh, mais tour prochain du coup je peux, je peux toujours pas le piocher en fait oh là il sait qu'on a gagné là <laughs> mec il est insane ce fou. deck et là en mode il m'a bandé lui il est en train de me tuer il joue avec la bouffe ouais il fallait que je prenne ce côté pour pouvoir approche ton prochain en fait ok ça va ouais d'ailleurs ah, spirale, spirale ça marche aussi Spiral marche, marche aussi ouais donc euh, plutôt spirale mec il est pas trop fort ce deck rejoue avec s'il te plaît je suis trop chaud j'adore moi ah moi si je joue j'adore ce soir on farme des gens mais fort hein Oh, je vais jouer en quatre couleurs, tout sauf noir, et je mets euh, des Teferi et des tours sup. Comme ça, je suis insupportable, un tour supportable. <laughs> aïe aïe aïe. Le draft entre amis, je pense que c'est une très bonne idée et c'est un axe sur lequel ils tendent à évoluer pour Magic Arena euh, affreuse bête musicale. Le problème, c'est que c'est pas facile à implémenter et ça demande aux gens d'être en même temps sur le soft. Tu vois, que huit personnes soient réunies et attendent pendant un moment. Euh, ouais. Attendre que les gens aient fini de jouer leur match pour en relancer un. Hein. Ça reviendrait quasiment à mettre directement un mode tournoi sur le jeu en fait. C'est ce que les gens attendent hein, d'ailleurs. Je pense que tu peux rester divide up ouais, et jouer ta vais clé des archives. Faire ça. Ouais. Ouais, je le transformerai en bande pour faire plaisir à Sigriff. Euh... Ouais d'accord. Mec, fais gaffe, tu sais ce qu'ils prennent avec ça. Hein. Ben on a mis que des dingues dans le pack donc Ouais, euh... <laughs> c'est risqué hein. Va nous prendre des comas le, le petit loup là. Euh, Est-ce que c'est pas lui qui va nous divide by 0 On s'en fout. Allez on s'en fout. J'aurais été patient tu vois pour une fois. Mais tu m'as dit non, mais on s'en fout qu qu et qu'il dans la main. Ça revient en même. Ouais. Oh yes. Il remet que dalle mec. Il y a Diablo qui nous demande c'est quoi notre carte Magic préférée depuis 1993. Parce que s'il précisait pas, moi je lui aurais donné ma carte Magic préférée depuis 2005. Ce qui n'est pas la même. Est-ce que je prends pas Electrolyze juste un contre triple Ouais c'est très bien. Du coup quelle est ta carte Magic préférée PL Je crois que ça contre lui ça a rien faire. Un... Ouais. Euh, quelle est ma carte préférée Oh mais c'est Suite. Tu Peux discarder un truc et le reprendre avec le spell vert là. Bon, on s'en fout. Franchement, c'est dur de dire une carte préférée. Euh, J'aime tellement Magic que euh... c'est euh... com complexe. Même c'est ouais, complexe quand on me pose la question pour toi, je réponds toujours Tazigur. Bah, tazigur ça représente bien. Tu vois, c'est un truc que, que je trouve très balance. Ça l'a pas été en tant que commandant, mais bon. Ouais. Mais ça a été balance dans son format standard. Ouais, mais en même ça. temps jouable. Mmh. Spec Hypnotique, c'est stylé. Et Wild Mongrel, putain, je jouais ça quand j'étais tout petit. Le bâtard sauvage, c'était insane comme carte. Ah, si je fais ça, je peux pas Divide by Zero Up, c'est un peu chiant. Non, mais tu peux juste faire euh... Pardon tavernier passe. Ouais, je, crois que je fais Tranquille. Hein. Volonté du Oxeboul, c'est vraiment vénère aussi. Genre, ma carte préférée, ouais, je pense que. Tazigur, t'es un très bon prétendant, parce que si je dis foudre, les gens, ils, ils me disent, ah ouais, t'es de ce genre-là. Alors qu'en <laughs> vrai, non, tu vois. C'est juste que je trouve ça beau, quoi. Mais dis-leur que t'es de ce genre-là. Et alors, ouais, si je suis de ce genre-là Non, divide pas, que vous, qu vous allez faire Qu'est-ce que vous allez faire, là-haut Ouais, moi, c'est e Eternal Witness, mais je l'ai assez répété, pour le coup. Crasis <laughs> pour Val. Ben non, MD Luffy, loupé. Par contre, si tu me dis quelle est ma carte préférée depuis 2019, il mm. y a peut-être Uro dans le tas, tu vois. Moi je préférais Oko. Oh Divide de le. Non, non mais, mais non putain. Mec, mais là c'est une ce discussion, que... je joue pas à Magic, moi. <laughs> ouais, chafou. Mais faut il faut qu'il y en ait <laughs> un qui continue à suivre. Oh Smallpox, très stylé à J'aime bien aussi. Je crois que tu me demandais de prendre Smallpox, je vais dire, mais c'est quoi J'ai pas là. J'ai pas Smallpox. Et pour répondre à Abscon sa carte préférée étant Langue Feu, ça fait partie de mes créatures préférées de Magic, le Cavrulangue Feu. Très élégant comme carte. Ah, tu peux Electrolyze Face en vrai, non Je sais pas quel point mais je perdais mon trésor. Je préférais essayer de faire des dingues. Attends, attends, attends avant de lander. Si jamais tu fais t'installer dans la brèche, tu récupères un drop 6. Si tu landes et que tu fais t'installer dans la brèche, tu récupères forcément un drop 7. Let's go. Eh ouais. Hop là, le land magique. Mec, c'est juste insane. Allez, par par là, toi. Et, et là, là, il là, est full tap. Donc, un... euh, ouais, je lui chie dessus. <laughs> Hop. Ah, si, si, si. <laughs> Mais mec, ce deck est trop fort. Genre, 3 Petit mana, peu. je rampe et je pioche un actif. C'est forcément un drop 4 ou un drop 7 selon le time. C'est trop bien. Mais c'est idiot. Eh ben, écoute, je... Je... en fait, je crois que le... la meilleure carte du jeu, c'est le drop 3. En fait. Et mais ça va l'air trop fort hein, quand je l'ai vu. Enfin, bah, pas trop fort, parce que en late game, ça fait plus rien, tu vois, mais... Ouais. Genre, c'est ce que ça deck, manquait pour faire un, un truc cool, quoi. Allez, gros, euh, Allez, tiens. dans la bouche, hein. vas-y. Hein. Et non, c'est pas un land. Et toi, tu prends ça, toi. Et on va lander ça. Ouais. Et là, bah, t'as gagné, hein, parce que il va te laisser détaper avec un coma et... Let's go ah bah merci beaucoup Sigrif pour oh la merci, commande. Alchemy, rigales, ouais. si jamais vous avez une question dans le chat ou si vous voyez quelqu'un qui demande ce qu'est l'alchimie n'hésitez pas à utiliser le point d'exclamation alchimie. D'ailleurs, pour ceux qui disent que ça fait beaucoup à récupérer l'alchimie il faut prendre en compte aussi qu'il y a deux extensions alchimie en une. Puisque normalement, c'est 30 cartes par extension et là, il y a deux Inisra, ouais. donc ça fait 60 d'un coup. Mais après, il euh, n'y aura plus que 30 par extension qui ne seront pas toutes forcément jouables ou jouées. Donc, il euh, faut voir ça comme sur le long terme. Comme le standard, euh, quand tu t'y mets un été, t'as huit extensions de retard, c'est trop chiant. Mais quand ça fait euh, un an et demi que tu joues, euh, l'extension qui sort l'été, tu récupères quasi rien et t'es bien. Donc faut le voir comme ça le ouais. format Alchemy, je pense, à terme. N'hésite pas à aller euh, bourrer notre repos. Mais j'y vais, Val, j'y vais, j'y vais. Hein. J'engage tout à droite. Hein. Oui, bah là, tu oh. poses pas trop de questions, quoi. Ok. Bah, on va devoir rendre notre coma indestructible, mais c'est pas trop gênant. Si jamais il bloque, en plus on l'électrolyse, donc vas-y, let's go. Ouais, je vais voir ce qu'il bloque. Il va bloquer coma. Ok, donc tu l'auras indestructible. Et on va le finir à l'électrolyse, je pense. Ouais, exact. Je face, hein. Je rigole. Ah, bah non. J'adore Electrolyse, très élégante aussi comme carte. J'aime beaucoup, ouais. Petit spell modal comme ça. Euh... Ah pas modal meilleur. Alors lui il doit jouer des Vras donc je t'invite à ne pas jouer ta sortie des mascottes mais plutôt ton vrai. Allez hein Allez j'y vais Val, t'as raison Allons-y hein Allons-y Zou c'est win en fait Pourquoi pas le tap C'est vrai qu'on pouvait aussi le tap ouais, je crois que c'est mieux de le tuer parce que là ouais. sinon il aurait été capable d'essayer de bouncer notre board Ouais le problème de le tap c'est que tu le laisses des tapes avec euh, Aurore Briscoque et il fait des ouais. bêtises alors que de le tuer, euh, bah, ça lui demande de recette En fait, il était tout incité à bloquer notre coma parce qu'il sait qu'on n'a pas d'interaction normalement. Et vu qu'on a électrolyse, il est obligé de tomber dans le trap parce qu'il ne peut ouais. pas se douter qu'on a électrolyse. Mais c'est vrai que s'il bloquait le 3-3, on aurait préféré le taper. C'est ça. Mais du coup, il prenait plus de dégâts. Et euh, en gros, le, le tuer, ça lui fait perdre 8 mana, Enfin, 7 ouais. mana, Alors que le taper, euh, non. Ça fait juste de la C'est ça. Et lui, en fait, en faisant ce bloc-là, il... tu, tu peux continuer. Hein. En, en faisant ce bloc-là, il ne peut pas se douter si tu veux, euh, mmh. qu'on va avoir électrolyse pour le finir. Ouais. Alors, joyeux anniversaire, Louis. Bah, déjà, bon anniversaire. Hein. Oh, merci. Euh, oui, on organise le tournant en alchimie. Ça va être trop, trop bien. Euh, et tu auras toutes les infos dans la vidéo qui sortira lundi à 17h, ainsi qu'un lien euh, Discord, euh, dans lequel tout sera noté. Tu pourras aller t'inscrire directement là-bas. Donc ça sera en alchimie lundi à 17h et le lien Discord sera disponible dans la description de la vidéo. Oh putain, t'as changé, euh... de changé de deck, toi. J'ai changé de deck. Ah et si on trouve pas de blanc, on fait rien donc. Bah tu tu fais ours, tu fais Sentinel T1, ours T3. Ça se garde, je penses Moi, je pense. Euh, T3, euh... oui, si avoir Oui, si jamais tu Oui, ça, ça va le faire. T'inquiète, oh. tu te regardes. Okay, oh, comme je suis bon coup... Comment ça se fait que tu as douté, sérieux Mais je j'apprends à être euh... à être humide. OK. on m'apprendra C'est le bah c'est l'inverse d'être euh... sec. Du coup. <laughs> Merci beaucoup Meta7 et Osimondias pour les subs. Est-ce que tu es humide range des fois oh. Allez, en' Allez! Oh Allez, c'est parti! Oh! Bim! Mec, la 4 de fly! Oh, 4 de fly, c'est devenu une, hein. une bonne carte, ça. C'était une bonne carte, c'est devenu une très bonne carte. Est-ce qu'on n'est pas juste en full win avec nos decks de port? Bah ouais, hein, ça c'est quand tu sais builder. Hein. Attends, on n'est pas là pour être ici. Hein. Ange de l'humidité. Oula! Un chemin de traverse. Ok. Ça, c'est un chouïa chiant, mais... Vas-y, let's go. Un hein. chiant, yeah. Oh ça. Merci beaucoup, Renard Hurlant qui offre 5 subs à la commune. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Ok, très nice. On va enlever la vrage, et je prends, pense. que ça coûte cher, tout ça. Ça, se dégage. Ouais. ouais, bah comme ça, au moins, ça devient impayable, vraiment, ouais. définitivement. Et... Je crois que tu vas juste mettre un point, sinon le double ouais. bloc sur Sentinelle, il est trop punitif. Ouais. Bah, vu qu'il y a eu une grosse mise à jour euh, et beaucoup de gens qui jouent au jeu, à mon avis, euh, aux Immendias, euh, non, épileptique euh, 30, pardon. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits soucis de co. Ouais. Mais euh, pour l'instant, il y a beaucoup moins de soucis que la dernière fois qu'il y a une mage d'extension. De, donc, Écoute, pour l'instant, Romagic, aussi étonnant que cela puisse paraître, on prend un vrai plaisir de dingo. Hein. Moi, j'aime bien euh, faire passage d'une mmh. écorce en bleu, ours de l'Ijara plus aspirante. Ouais, je regardais, mais euh, ça ne trigger pas ange euh, euh, de l'unité, c'est quand on caste. Mais c'est pas grave. Et donc du coup ouais on, on prend on prend vraiment un, un vrai plaisir. On a joué mono noir sacrifice et simi-cramp, les deux decks étaient insane. Et là on teste euh, Ange de l'unité dans la mécanique partie. Mais on va revenir très rapidement sur le deck sacrifice parce qu'il était grave kiffant. Enfin, en vrai pour l'instant euh, tout, euh, tout est vraiment très très bien. 2-2 et je fais une note 2-2 ou joue ça qui va faire une 3-3. Non, on fait une note 2-2, c'est plus lisse. Ouais. Tu mets pas toutes les œufs dans le même panier. C'est vraiment pété ange de l'unité, hein. c'est idiot. Je trouve ça très bien, ouais. <laughs> ouais, Ça va mourir du coup, très, mais très un peu même. tard. Et euh, le tour d'après, toutes tes bêtes, c'est les 4-4, donc. Euh... Euh, non, que change forme, mais que lui. Oula, notre barre des subs est passée de 500 à 600 Attends, elle était... elle était pas à jour. Euh, non, j'avais oublié de lancer le... Ah, Le logiciel okay. qui, qui compte les subs. Le compteur ah, de subs. Okay. Simplement. Non, on n'a pas encore vu les, les euh... decks de, des autres créateurs de contenu euh, Vivi vivi. On, on verra demain matin, on fera un petit tour sur Twitter euh, pour voir un petit peu ce qui a été joué dans la soirée. Mais GB Cimetière, ça va parler à PL parce qu'il me ouais. disait euh, dans la midi s'il n'y avait pas moyen de builder un truc comme ça. J'avais pas d'idée moi euh, sur le coup, mais. On, on ira voir ce que ça donne. Ouais. Ça, me, ça me parle fort. Ouais. J'avais pas d'autre idée que le 6-6 pour 5 est pailli. Mais du coup, j'avais 8, 8 cartes sur 60. Pour ajouter la mana base, j'avais la moitié du deck. Mais. manque <laughs> un bon reste. Bout. Ah, Alors, de toute façon, ce que vous faites, c'est que demain matin, quand vous levez, euh, il faut pas hésiter à aller sur des sites comme MTGA Zone qui retweetent la plupart des decks des streamers qui ont été joués dans la soirée. Ouf Dommage. Oh, bah, je... Écoute. Euh... Sympa hein Petite euh, petit board là, on est là. Non, c'est des boosters spécifiques euh, bz -Délis. On a un peu overextend au okay, Kestat, Stat, mais euh, je t'avoue qu'on est euh, plus là pour euh, tester les synergies. Et, euh, et c'est pas très grave si on rentre dans Antibète dans de Masque. quoi. Antibète oh, de Masque. <laughs> j'aurais pu mettre un point avec ça, mais. Euh, Je préfère mettre mon ours de Hijara et surtout pas prendre le risque qu'il me tue mon Manland. Ouais, bah c'est malin de la part de Danny, on est sur un... En fait, comme à chaque fois, en début de format, en début d'extension, les gens vont en BO1 avec des decks contrôle et pack un milliard d'antibêtes de masse. Et forcément, comme les gens ont tendance à tester des synergies à base de créatures, des plans de jeu agro, midrange, bah, tu joues entre 6 et 8 vras dans ton deck et tu as un match-up naturellement blond, bon. Pardon. Mais à terme, dans ce format-là, qui, à mon sens, peut encore... Euh, être dominé par euh, par Iset ou alors par des stratégies qui prennent pas des Vras, je suis pas sûr que ce U white euh, reste euh, aussi. Genre là, vraiment, c'est un, un pack qui a juste plein danti et des contres. Ça va être très bien contre partie, mais ça risque d'être assez mauvais contre, contre des decks Iset ou alors notre deck Ramp même euh, sur la game d'avant par exemple. My turn. Hop là, le 5-5. Le 5-5 franc. Attends, t attends, t attends. Ah, il a deux anti-bêtes donc je pas donc euh... bah c'est pas grave, faut qu'ils tombent non ces anti-bêtes parce que de toute façon ils vont ouais, partir sur tes bêtes. Ouais, moi j'aurais attaqué. Hein. Ah ouais, peut-être. Je suis trop conservateur. En fait là je me dis on a un peu que dalle. Euh, si je perds mon manland, j'ai pas trop de l'option de le punir, tu vois. Ouais. Ok. Là il est 5-5 ouais, va... le manland. Non mais quoi que t'as raison, tu sais pourquoi Parce qu'en fait il a champ de ruines. Donc euh, il de y en a que chien. Ok, de quoi piocher Ah, petite, euh, manque une petite photo là. Ok. Il faudrait qu'on trouve une carte qui fait un peu de value. Ouais, pas Sentinelle. Pas ça. Bon, je peux la poser, ça fait toujours une bête qui, euh, qui met des points. Pas ça, Zinedine. Pas, pas comme non. ça. Hop, la sentine qui prend le marqueur. C'est pété hein, que ça triggé en fin de tour maintenant. Pas du tout. <laughs> ouais, c'est un peu moins bien. quoi. Quoique c'est vrai que cela dit, tu peux jouer tes cartes en main phase 2 maintenant. Mmh. Bah tu vois, je m'amuse quand même vachement moins avec partie, euh, même si c'était bien de tester la 1-3, mmh. qu'avec le deck simic ou avec le deck sacrifice. Ouais. En fait, partie, je sais déjà ce que ça fait. Et on avait juste besoin de voir que le 1-3 s'intégrait naturellement dedans. C'est une vérification. C'est un peu ça. Hein. Ouais, là, on s'emmerde. Hein. Pas ce mytho. Bah ouais. Bah, à partir du moment où on a pris Domska, Ouais, c'était compliqué. Ouais, le 1-3 est vraiment dingue. Dans une mécanique euh, poorly. Oh. Bon vas-y tu peux partir. Ma bandée. <laughs> ouais. Ah, mais je te dis il joue euh, des contre et des anti bêtes donc euh, et il va te tuer euh, au Storm Giant. Le Hall. Mm. Let's go to sacrifice. Euh, on peut faire mon vert qu'on n'a pas encore fait. Ok. Si tu Ça, veux. Il y a les, Je me rappelle plus il y a les nouveaux petits loups. Un 1 un, ou pas? Un deux ouais, bien un. sûr. Nice. Bien sûr. Les Teenage Shoes le petit loup -pop. on peut revoir la DL simic ouais on va aller rejouer robaz franchement j'ai bien envie de, de jouer un peu avec ce, avec ce deck oh. simic et avec ce deck euh, sacrifice là du coup j'ai pas envie de de Florédron, ton prochain pour pas qu'il soit de, de, de vigilance de quoi je comprends pas. Si je le joue ton prochain, Florédron, ce serait une 2-2. Ouais. Euh, vigilance, pétinement. Euh, ah bah tu peux ne pas le jouer et que ça soit ton troll qui soit énorme. Ouais, du coup je pense. Ah j'ai. Mais non, mais tu poses un Florédron en lande. Ouais, dommage. J'aurais pu euh, fortel ça sinon, mais. Mais si je fortel ça, je suis pas sûr de pouvoir faire troll ton prochain. Ah, ah oui, d'accord, ok. Le troll il es est énorme. C'est pas très grave. Ok, il joue son aspirante. Ben nous, on va jouer un énorme troll. 5-5 hein. pieds de vigilance. Bim. Ça va. Hein ça va prendre Qatar brutal, mais ça va. Ça va ou quoi Oh l'apparition. Coucou. C'est long. Ok. Et ce petit loup maintenant, il fait quoi Et il fait gagner un peu quand il meurt. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Bon bah vas-y, on va attaquer avec ça. Ouais. Et merci beaucoup pour le sub, merci Renard Hurlant. Putain, qu'à sub les gens avant de ce sub, ça c'est beau, hein. ça c'est les gens qui pensent aux autres avant. Ça... ça régale ça. Merci beaucoup. La petite sœur de Qatar. Ouais, c'est plutôt le grand frère Apparition du fort céleste. Hein. Ça, on faut peut-être autre chose à la place du Florédron. Bah non, parce qu'il rentre dans ton compte de land et... Et en fait, si jamais tu viens à jouer le 2-2 qui rampe, euh, euh, le 2-2 Neigeux qui rampe, euh, tu te retrouves du coup à... à devoir rentrer plus de land et donc du coup à faire plus de place dans ton deck. Bah Je crois que t'as pas mieux à faire qu'Ishkana ici. Hein. Ouais. Ouais, je pouvais troll primaire en vrai, parce que comme il buff en fin de tour. Mais euh... ben non, tu sais pourquoi Parce que le tour d'après, tu pourras classe rôdeur et troll primaire. Et t'es plus mana efficient comme ça. Exact. Exact, exact. Ok, il a toutes les aspirantes de son deck par contre, ou comment ça se passe Non, mais c'est bien, comme ça au moins il met des marqueurs de partout. Il est plus gros que nous, qui joue mon over, c'est euh... impeccable. <laughs> Parce que là, on va commencer à en chier un peu en fait. Eh oui. Hein. Bah ouais, là on est déjà. Euh, on est déjà un peu bloqué en fait. On joue nos ouais. cartes Ouais. Bah le problème c'est que maintenant cette aspirante, on n'arrivera plus à la gérer en fait. Oh putain. C'est trois aspirantes, tu veux dire Ouais, tu, tu peux partir là, hein. je vois pas comment on revient de ça. Je vais voir ce qu'on draw et après. Euh, Ciao, ça. Voilà Merci beaucoup. La on va voir. Il joue juste ces de... blanc, splash rouge pour des impacts et des showdowns of the scale. Mm. Il a globalement un très bon match-up au global contre nous. Dommage. Je, je sais pas si ce petit Louveteau tenace est un si bon ajout que ça. Ça m'a pas impressionné du tout. Bah Après, on n'a pas fait le, le tour de sympathique ou avec. Et puis, l'adversaire, il trouve triple aspirante. Donc. Euh... Ouais. C'est pas une game euh, qui s'est rondement bien passée, quoi. Non, j'avoue. Mais bon. J'en ferai même une petite euh, deuxième pour voir. Dans tous les cas, Monogreen, moi, 2-1 ne me plaît pas tant que ça, et 2-2 ne m'impressionne pas tant que ça. Non. Non, mais c'est bien de tester les, les anciens decks aussi, voir euh, comment ils s'en sortent. Quoi. Ouais. Bon, ouais, bon on vous avez épargné euh, Isat Epiphany, parce que vous l'avez vu tout le week-end. Ah, voilà. Euh, je pense que le deck reste jouable. Hein. Ça, c'est ce que je veux faire. Ça, dans ça. 4-4 vision spécialement. Ouais. Et tour 3, tu peux faire Louveteau dans les hmm. Oh, bon, Je trouve que le nerf d'aspirante la rend pas du tout injouable. Enfin, genre ça reste très très fort comme carte. Ouais, c'est un nerf justifié et... et là il a trouvé des... Ça, des multiples. Ça peut même te permettre de donner ton marqueur après avoir joué tes cartes en main phase 2, ce qui peut avoir un peu de sens dans certaines games. Mais what Ouh. the fuck, le tour d'après, tu peux faire. Ah non, tu peux faire ça et ça. Tu, si forêt, ouais. tu peux faire Louveteau dans, dans chef de meute. En fait, c'est pas un vrai nerf. Non, c'est pas tout à fait un nerf, ouais. ouais je crois que là, tu t'en fous du Louveteau, tu fais chef de meute, Mammouth tape et let's go. Hein. Ouais. Prochain gratuit. À moins ça, que, que tu veux jouer ton route, ce qui n'est pas impossible. Euh, non, parce que si je trouve pas de land après. Euh... Ouais. Je peux toujours pas faire le, le sweet play, donc... Euh... Là je fais ça et ça me permet de draw 2 tout prochain. Ça mettre en compte si j'avais trouvé l'envers d'étape, je faisais encore l'oufto chef de meute, j'avais 2 4 4 sinon vigilance. Là il va ah, enlever Shkana, mal, hein. mais, euh, mais on s'en fout. Tu, tu commences à plus avoir trop de, de patates quand même, donc on s'en fout qu'à moitié. Et il a un, avec son aspirante, il va passer sa, son entrave sort d'élite 4 2 pour pouvoir bloquer un de tes loups. Ouais mais je double attaque, double pioche euh, et je trade, ça va ouais. quand même. Et en plus je peux lander pour... Euh, ouais pour, pour en, grossir, hein. Hein. en fait, De toute euh... façon dans tous les cas que tu le buffs ou pas t'emportes son, son 4-2. Euh... Mm. Ok. Bah vas-y attaque et tu et vois ce que tu draws de toute façon. Ouais. Je crois quand même que Mono Blanc restera vitam Eternam un mauvais match-up. Mm. Et que bah, si on continue d'en taguer ça va être compliqué quoi. Bah, ça sert à rien de le buffer. Et plus de points de dégâts, on s'en fout. Ok. Et là, tu peux louveto dans Mammouth, c'est pas, ouais. pas déconnant du tout. On a trouvé un land en plus. Mammouth euh, qui devient piétinement vigilant, c'est très méchant ça. Ouais, land 6 -6, ouais parce euh, que le tour d'après, tu colles 6 dégâts. Hein. Ouais. En vrai, là, il a gagné un peu de temps, mais il est pas bien du tout. Hein. Ça c'est sympa pour tous ceux qui veulent passer naturellement du standard à l'alchimie. Vous prenez votre deck mono-blanc et vous le jouez. Voilà. Ah ouais, je crois que tu' dit mono-vert. Mono-vert, t'enlèves les chariots ou t'es même pas obligé et tu rajoutes des petits louveteaux en, en early game. C'est ça. Et pas mal et parce pareil pour mono-blanc, sauf que mono-blanc, il n'y a vraiment aucun changement à faire. T'as juste un havre sans visage qui est 3-3 et une aspirante qui met son marqueur en fin de tour. Ouais. Mais le deck reste le même. D'ailleurs, Dr. Woob vient de confirmer 5-0 l'événement très rapidement, sans aucune modif. Donc, c'est pas mal pour ceux qui se disent qu'ils peuvent pas jouer dans le format. Si. En fait, l'important, c'est juste que ça fasse diminuer le power level 10Z qui était trop euh, trop puissant en standard. Si j'attaque, il peut bloquer, bloquer, il est pas mort. Donc, j'attaque avec ça. Ouais, je crois qu'il faut pas que tu attaques au louveteau. Ah, si. S'il si bloque, bloque, il est mort parce que je peux activer ça, euh, lui donner euh, plus de force et piétinement. Et il a le piétinement, ton mammouth Ouais. Bah je du coup que... tu peux attaquer avec les deux louveteaux Ouais mais il va en manger hein, dans l'équation le... hein. Faut... Faut que tu le saches euh, Ouais mais il est pas bien là quand même je crois mm. J'aurais peut-être mieux dû attaquer avec ça Je voulais voir ce que je piochais avant mais... Quoi que non du coup je pouvais pas faire le trick Donc c'est moins bien, j'ai rien dit Je crois que je vais activer là 6, quoi sept, si... 8, 9 Il est à 1 Il perd cette bête là et, euh, et, nous, et moi je remets ça derrière C'est pour ça que je suis pas sûr que faille le mettre à 1 Vaut mieux remettre un max de board non Genre chef de meute plus troll C'est mieux que de, ouais, que de fait, le passer ouais. à 1 non T'as raison Parce qu On qu'on le passe quand même à 3 là Ouais et tu joues pas ton floridron Pour avoir effet landfall le tour d'après Exact Bon, en gros, on voit que les anciennes stratégies de standard sont adaptables en alchimie, et mmh. il y en a de nouvelles qui s'ouvrent. Et ben moi, je suis juste régalé, quoi. Très cool, ouais. Ça me, ça me relance de ouf la hype de jouer, enfin euh, euh, pas standard du coup alchimie, mais je vais assimiler à du standard. De toute façon, après un championship, j'ai toujours très envie de jouer à Magic en général, mais mais euh, mais vu que ça n'avait pas apporté de grandes nouveautés euh, la dernière extension. Là, je trouve que c'est ouais. cool. Putain, t'as pas tes Blizzard, tes Blizzard Brawl, ça fait chier. Mais c'est pas grave, hein. on va y aller. Hein. En fait, il est dur à passer maintenant son 5-3 Lifeling parce qu'il va lui faire gagner du temps. Et pour ouais. l'instant, les aspirantes elles sont plus grosses que tes bêtes donc tu peux attaquer qu'avec ton mammouth. Ouais, aspirante, bah encore une fois, on prend un mono blanc qui trouve double aspirante, c'est un peu chiant quoi. Ouais. Il tourne pas du tout autour de Trix, il a raison. Enfin, il a raison. On n'en a pas. Quoi. On peut avoir Veil of Summer, euh, on peut avoir euh, Blizzard Brawl, euh, on peut gagner cette game, mais bon, Mono Blanc c'est un mauvais match-up de toute façon. Mm. Ouais, Simic il est assez impressionnant. Mais ah je bon. pense que Simic et Mono Noir c'est vraiment les decks qui sont à la fois les plus euh, novateurs, je dirais, et, et les plus intéressants, quoi. Voire même les plus impressionnants. Ok. Alors, toutes tes bêtes, elles mettent un de moins. Est-ce que je peux avoir un anti-bête Je crois que tu vas te brosser un petit peu. Je vais me brosser le cul. Bah, vas-y, je canard. Hein. Je suis pas attaqué avec ça. Et ça, en vrai. Non, parce qu'il il met que 3. Hein. T'es sourd, et dan. Ah oui, il met que 3. T'as raison. Bah Ishkana, ouais. ouais. Il vient de stabiliser cette game, le monsieur. Ishkana qui peut faire... Euh, combien de fois de la value Une fois, pas loin de Ouais. Salut. Ou salut. Oh, ouais, il va prendre Alors, chef de meute, c'est encore c'est dans deux, eh ben, écoute, ils sont forts pour trouver triple aspirante hein, à la main sur 14 ils trouvent cartes. triple aspirante en 10 cartes, tous nos oppos, c'est insupportable. Bon, ça, euh, que ce soit en alchimie ou en standard, euh, Monovir, il perd. Ah bah, c'est clair et net. Ok. Ah Eh ah bah merci. Ah Quel plaisir Ah bah, vas-y, prends chasseur, hein. On n'a pas le temps. Ouais. Hein. Tu vas péter son 6-4, là, avec ton troll. Ouais. Attends, euh... non, non. Merde. Merde. Quoi, 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 tu mets quoi, quoi. un de moins. Ah, je suis un con, pardon. J'ai pas réfléchi. Hmm. Euh... F... Bah... Est-ce que je suis une, une aspirante, du coup De quoi Je suis une aspirante, du coup En vrai, je peux attaquer ouais. juste au louveteau et je vois avec quoi il bloque <laughs> Ah non, j'attaque juste avec ça. Voir avec quoi il bloque. Mec, je le ah, il, va bloquer avec, il va bloquer avec son 5-4, c'est pas bien. Mec, il le voit pas venir. Il veut gagner 6 pèves et... là. Bah, je pense pas. C'est grossier. Plus c'est grossier, plus ça passe. On, on a joué en tout début de stream Valencia 0 et on va le rejouer euh, le deck Sacrifice avec Artist 200. Putain, Mais mec, c'est Oh, je le tue quand ah même, bah vas-y, euh, pars, pars de cette game, c'est bon. Genre on le connaît le match-up, c'est le même qu'en standard. Genre il y a rien d'intéressant quoi. D'accord, comme c'est sweet ce que je fais. Ouais. C'est mignon quoi. Ah, je vais voir ce que je pioche avec Ishkana d'après. Ok. Je retrouve lanti et il fasse rien toujours parce que c'est de la merde ça. Alors le principe des DFC c'est que chaque côté est un peu intéressant, mais comme il y a deux côtés c'est très versatile. Mais Redan les deux sont très bien. Alors Redan, euh, vraiment on s'emmerde pas, quoi. Non, non. Non. De non, non. Pas, non. Pourquoi s'emmerder, tu vois que Tu peux jouer vite, Green Cat, parce que je pense que c'est assez simple la marche à suivre. <laughs> c'est pas si dur de nous caguer dessus, donc n'hésite pas. Hein. Oui, c'est cela, oui. Tu peux bloquer avec Ishkana en l'état s'il attaque comme ça. Mmh. C'est vrai que le Havre était buffé par Ishkana, d'ailleurs. Ouais, mais il ne tuait quand même pas son adversaire intrépide. Parce qu'il n'est plus que 4-3 et qu'il est 3-3. <laughs> c'est un gros débuff pour Aspirante. Ah, Je le trouve pas, moi, Valencia 0. Genre, euh, ça. En fait, dans les games où Aspirante a de la valeur et de l'impact, c'est-à-dire celle où le board stall, c'est insignifiant son changement. Par contre, là où ça aura de l'impact, c'est là où Aspirante n'en a pas. C'est dans les match-up très contrôle où tu veux rentrer des dégâts rapidement. Et dans ce cas-là, ça a un peu d'impact parce que du coup, tes Aspirantes tapent moins fort. Mais globalement, la carte n'est pas du tout la carte la plus impactante de ces match là Donc euh, ah mais c'est deux cartes c est, c est, c est... Ouais Pas forcément des créatures, trop bien Donc c'est pas vraiment Un énorme nerf pour aspirante hein. Oh Oh C'est mieux ça Bah non, une, muti... une mutation Ouais parce que muter ça va faire deux marqueurs Comme ça ouais. C'est juste que ça donne pas ouais. la portée Par contre si jamais je, je réexile et que je retrouve ça bah, je peux muter dessus et ça fait quatre marqueurs du coup Ok, d'accord. Et ben on va muter sur... un euh... Troll, hein. non Ah ouais Si, si, il devient 5-5. Bah au moins tu peux attaquer ouais. à travers euh, son board. Tu peux aussi trouver euh, Classroder, enfin des, des outils de grind. J'attaque, hein Ouais ouais tu l'attaques, Si te triple bloc tu défonces les deux aspirantes. Ouais bah vas-y. Franchement il est nul son bloc là. Qu'est-ce que tu fais Comme ça non bah Parce que si je mets 2-2-2 il va m'enlever un dégât du coup il euh, y a un truc que je vais pas tuer. Ah bah j'espère que ça l'enlève au familier le dégât non Écoute je prends pas le risque. Ok, ouais. De toute façon, ah, je ne suis si pas tu... le familier. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Quoi Ça l'a attaché avec hein ça Trop marrant. <laughs> J'avoue. Vas-y, tu pourras faire fin de tour un troll, donc. Euh, let's go, quoi. Je fais pas ça plutôt Je préfère faire fin de tour un troll ouais, non, t'as raison. C'est trop drôle que ça <laughs> ce soit parti avec. Oui, c'est euh, mais. Pas, pas tout compris non plus. Ishkana l'araignée. Ouais, ça faisait une. Là, ah as en fait, C'est chacune de tes sources qui fait un dégât de moins. Ah, mais non, 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 c'est bon. Tu as infligé 5 dégâts et c'était le dernier qui tuait. Non, non, si, si, ça, ça tuait quand même. Sinon, toutes ces créas auraient pris un dégât. Attends, mais ça, ça, ça marche comment, Redan euh, Ouais, Valkmira, je peux lire. Prévenez une de ces blessures. Bah ben non, ça marche pas du tout comme, comme vous le dites. En gros, au lieu de mettre 6 dégâts, on en mettait 5, c'est tout. Donc la dernière, ne euh, qu recevait qu'un dégât. Je crois qu'en divisant, effectivement, euh, j'aurais mis 1 à 1. Mais pourquoi Bah, si une source qui a ça contrôle de des blessures à vous ou à un permanent que vous contrôlez, prenez une de ces blessures. Donc, on aurait prévu, il aurait prévenu une blessure par permanent. Ah, ok, ok. Bon, c'est moi alors. Mais à coup pas. Mais euh, c'est la... un peu bizarre. Non, non, mais c'est bon, je viens de comprendre. C'est moi qui ai mal lu. Merde, non, c'est pas les bons non, pas grave. Oh, c'est gros ça Oh, le maquis Putain, t'as encore la mutation. Hein. Ouais. Bon, ça fait quoi, ça Quand vous lancez sort, révéler X cartes X étant le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Pour elles, vous pouvez mettre sur champ matin une carte. Ouais, je prends ça, hein. je prends le port. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, prends le port. C'est marqué ouais. dessus. Le port salut. Et là, tu trouves un petit drop 3 et on est tout doux, tu vois. Mec, en vrai, Ishkana, c'est la grind infinie, en fait. Ouais, c'est trop bien. Mec, c'est trop fort à régner. Tu mets, tu mets plein de 2-4. Enfin, tu mets plein de 2-3, pardon. Chaque créature... Euh... Non, ça, c'est pas bien, ça. Non, mon cimetière, ouais, non, ça, c'est bien. Tu mets 2-2-4. Ouais, tu mets 2-2-4, c'est trop bien. Ouais, tu peux attaquer avec ta 4-4, avec ta 3-5. Et on va chumper un avec notre 1-2, en fait. Ouais. Mec, on est là, hein. Bah, on va juste gagner eh, cette game en enfin. fait eh, Ishkana ou quoi t'sais tu t'en régnes là c'est fou Ishkana c'est fou hein. mais en fait je, je croyais qu'il fallait exiler deux créatures mais vu que c'est juste deux cartes c'est free oh, toutes je mets un les petit cartes Ishkana elles sont puissantes de toute façon de ouf puis on va lui curver ça dans le, dans le groin là et être content grave oh, putain Charles en PLS, hein parce que Charles il aime bien Ishkana hein, ça vient de son set préféré faut que je te demande est-ce qu'il y a une carte que t'aimes pas de Shadow Over Innistrad aucune, je pense. Hein. On prend 5, ouais. Vas-y, comme un grand. Ouais, on gagne 1, donc on prend que 4. Il repasse à 1000. C'est emmerdant, ça. Hein. Ah, ah obligé, on ça. a plus de chien, Putain. Putain, il top deck bien, lui. Hein. Ah, il est fort. Parce que nous, on top deck pas trop, trop bien depuis tout à l'heure. Hein. Oh, oh le petit louveteau. On va grossir l'araignée. 3, 4, 5, ah, 6, bon. 7, 8. Ouais. <laughs> Ce qui permet, du coup, de trade l'adversaire. Alors du coup le maquis ça fait quoi Ça regarde deux et on prend un truc et je sais pas ce qui se passe. Ah bah ça le met en jeu. Bah écoute, Long. Euh, plutôt pas mal. Et tu peux bloc. attaquer, tu trades avec ces bêtes si tu attaques avec ta 4-4. Bon, il prend ses 3 points. Oh la 6-8 qui est là. Hein. Arrête de top deck Green K. Tu... tu me feras plaisir. Parce que nous, on avec qu'une Ishkana dans le deck, comme on avait pu les cartes. Il peut pas trop attaquer, là, en vrai. Hein. Bah, non. Mais qu'est-ce qu'il fait Ah, je prends. Hein. Mais, Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-ci Non, oh, là, tu meurs. Hein. faut encore bloquer. Ouais, ouais. Il est en tilt ou quoi Mec, c'est win. Oui, Mec, on l'a juste gagné cette game. Ishkana, trop fort. <laughs> Ishkana, trop fort. Mais j'ai dit, hein, les cartes draft faire gaffe parce que ça peut vraiment faire des dingues hein. et bah ishkana ah, go, là, go. elle m'a va vous plaindre sur twitter maintenant oh, on va fait, leur montrer que l'alchimie ne corrige absolument aucun problème merde merde non, non je ne non, ah, veux pas, je... plus par contre oui je... non, non. Bah, par contre ishkana en plus il y a qu'une seule ishkana tu vois donc le, eh oui. le sel l'élixir ne constitue pas le deck ah, ah c'est terrible euh, hop sacrifice on y repart ah c'est pas. on a fait un tour de roue on revient là Oh là en fait ceci, mais... Mec, c'est ultime ce qui se passe. Est-ce qu'on est... peut rosser avec tous les decks Bah ben on a rossé avec tous les decks hein. Mon lot vert, genre il y a eu un, un, petit, un petit caillou sur le chemin, euh, triple aspirante. Mais le deuxième qui a fait la même chose, euh, on a juste ultra grind. Ben nous on a juste joué une énorme araignée en fait. Ah, c'est dommage hein, quand même. Hein. De ne pas être servi comme ça. Eh non, tu la gardes pas. Hein. Non, non, on a rien, on a rien pour, euh, rien pour avancer. Ah. Ouais, je vais pas partir à 5. Hein. Après, on a des scorpions, des deadly disputes. On a plein de cartes qui nous font avancer. Ok, ah. lourd, parfait. C'était ça qu'on voulait. Sac est bon, comme on dit. Oh, un petit scruté. Ouais, la mécanique de drafter dans un spellbook est très plaisante. T'as raison, Sigrif mmh. Ok, nice. Alors on lui, je effect. sais ce qu'il fait. Lui, je suis au courant. Attends, il fait peut-être. Il comme nous. dit tiens, je vais aller tester Iset dans le format alchimie. Attends, voilà. Mec, il joue mono bleu avec le pêcheur, ça va me régaler jusqu'au bout. Peut-être en vrai. Pourquoi pas. S'il y a bien un deck dans lequel tu peux le tester, c'est mono bleu. Ok, avance en visage. On se fait contrer. Oh, il faut qu'il ait spécifiquement euh, Jouari Disruption. C'était pas gagné quand même. Hein. On est là. Oh, on est là toujours. La petite divination qui va bien. Oh, parfait. Pinceau. Mais bah écoute, on est très heureux aussi, Coria euh, Twitch. Très très heureux. Est-ce qu'il n'y a pas que des gens heureux ici 454 personnes. Merci à tous d'être là. Non, oh, non, et si merci à Meren the Fusil de, de concéder sur tant de puissance. Oh le fusil, quoi. Meren the fusil d'assaut. Et Meren, c'est un commandeur. C'est vrai. Euh... Meren the fusil, je sais pas pourquoi je pensais tu aurais pu t'appeler genre Meren la Kalash, tu vois. Je trouve que ça fait plus imposant. C'est vrai, mais vu que c'est de l'anglais que ça veut dire autre chose, ça doit être pour ça. Dommage. Moi, je proposais un blaze, tu vois. The Fusil. Un blaze qui fait peur. Oh, c'est marrant, il a vachement mal écrit The Fusil. C'est vrai que le, le jeu tient le choc et ça, ça fait plaisir. Oh, super oh, main. mecs, c'est insane en fait. Oui, le pionnier est toujours dans les plans et le pionnier du coup deviendra une extension du standard naturellement, euh, là où l'historique maintenant est devenu une extension de l'alchimie. C'est un peu chiant pour ceux qui jouent en historique et qui vont du coup devoir jouer avec les cartes nerfées du standard, mais en termes de cohérence c'est plus clair comme ça. Euh, euh, je sais pas si tu dois attaquer, je pense que tu dois deadly dispute et tuer son 1, non mmh, Ouais, je le ferai à son tour. S'il me joue un autre truc à tuer, genre le 2 en fly. Ouais. Oh, il le joue là. Oh, dommage. Hey, mais ne lui rappelle pas, euh, Big. Biv, bivg. bivg c'est vrai, j'étais trop occupé à avoir de la belle magie. Euh... Bivg. Après, est-ce que c'est pas de la belle magie ce petit dragon Juste mets ta souris dessus. Regarde comme il est beau. Mec, je regarde que à droite là. Je rate ça. Hein. Mec, mets la, juste la souris sur le dragon. Tu vas voir comme il est récompensant. Comme la cerise sur le gâteau. Est Il est comme une cerise sur le, sur le gâteau, ouais. Ce que tu veux, ça m'est égal. Euh, bah, putain de en fait, parce que je peux pas faire coup de pinceau sinon. Bon, je trouvais un, un marais, mais. C'était pas sûr. Ok, nice. Bah, je te propose un petit coup de pinceau. Hein. Tranquillement. Et on est bien. Ouais, je vais garder mon petit bête up. Bon, il va se faire peut-être sniper Probable par ça, mais euh, pas grave. Bah, je pense non, que... Non, il n'y a pas une cette... somme récemment. Pardon. Ce sera une série de 7 pionniers remaster qui vont amener le pionnier sur Arena. Ouais. Et du coup, bah en fait, ce sera comme les 7 histoires remaster. quoi. Mais en espérant qu'il y ait quand même un, un petit up, un petit, un petit code qui donne genre... Euh... Mass Pour l'instant, il n'y a pas de communication dessus. Donc, euh, on ne sait pas si c'est une vision à moyen, à court terme, à long terme. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça passera par des sets remaster. Ils l'avaient annoncé il mmh. y a euh, déjà plus d'un an, je crois. Ouais. Après, peut-être qu'au final, ils vont se dire, bon, bah, on est bien comme ça, on ne met pas le pionnier sur Arena. Mais ça serait synonyme que le papier euh, a repris de sa superbe et, et que du coup, on n'ait plus le, le besoin, entre guillemets, de jouer ce format-là sur Arena. Ouais. Moi, je pense que ça finira par y venir. Il l'avait annoncé et même s'il le remet à plus tard, je vois absolument pas pourquoi il le mettrait pas. Pourquoi tu veux en prise ici Jouais, Je vais jouer son 4-3, non Qu'est-ce qu'on a à faire le tour d'après Ou peut-être que là, je veux juste euh, trouver, je un veux trouver un massacre ici plutôt. Mmh. Non, vas-y, avance tranquille. Hein. Et là, tu fais blême dans piqueur sinistre. Ça te permet de tenir le board et de trouver ton massacre. Allons-y. C'est pas mal, non Ah, j'aime bien. Et en plus, si jamais il y a une catastrophe ouais. qui arrive, là, du coup, tu pourras craquer tes trésors. quoi. Trésor. lui. Et ben voilà. Bien right. de euh... jouer à un deck qui en joue, euh... qui non, en je joue 4. Pas. Et là maintenant tu le laisses ce commit à fond sur le board et on va juste lui faire une petite coupe, un petit dégradé comme il Oh dis. il va tout mettre. Il fout tout là. J'économise de PEV hein. Ouais, carrément. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mec, j'adore ce deck mono noir, je le trouve trop stylé. Ouais, c'est très cool à jouer. J'aime beaucoup les mécaniques sacrifice où tu bouis Mais comme ça, tu vois, pas avec Chafour. Chafour, c'est sacrifice pour les nuls. En fait, Chafour. Non, justement, pas pour les nuls, mais c'est trop long en fait. Ah, c'est sacrifice pour les boss quand tu vois les joueurs japonais de ce week-end. Ouais. Non, mais tu sais, la mécanique, c'est un chat et un four. Et du coup, t'as ta mécanique sacrifice, et à côté, tu mets plein de trucs. Alors que ça, ça nécessite pas mal d'engine. Le premier set pionnière, c'est retour sur Avnika, premier du nom, 2013 euh, ou 2012, je crois, Miguel velu. Oh là de... là lui il y va, mais si euh... est... à fond quoi. Non, mais, non, lui, lui il te donne tout, mais il te donne tout, il te donne euh, les papiers de la voiture quoi. Faut que tu fasses à x égale 4. Oui, tu fais un petit x égale 4. Ah, tu peux faire une petite classe sorcier au préalable, ça mange pas de pain. Est-ce que t'as le mana oui, oui, je vais utiliser les trésors. Je peux même faire ça si on veut drafter. on n'est pas obligé. Alors, retour sur Avdika, c'est en septembre 2012. Et c'est de là où part le pionnier. Il va-tu en réponse Ou pas. Là, on est plutôt bien. Il a pas fait. On a aussi un Ouf! Insane. Il a aussi un peu ce qu'on pouvait. Euh... Ce sur quoi on pouvait râler un petit peu, tu sais, ces decks qui jouent plein juste danti de masse en début de format pour pouvoir battre les jeux créatures. Mmh. En fait, notre deck à nous, il est original, mais il a un peu cette facilité-là en début de format d'aller écraser tous ceux qui testent des trucs avec des créatures. Mmh, exact. C'est pas le but de pourquoi on joue ce deck-là, mais c'est un effet ricochet qui est très sympa, quoi. Mmh. Ah, c'est série le vampire? Ah oh, eh oui c'est et En plus j'ai déjà fait la remarque, si c'était pas en sorcerie, il serait vraiment pété. Et, euh... et du coup je me prends que moi-même. Parce que là, on est en train de le démolir, notre pot hein. mmh. Là, il est démoli, il est démoulé même. Ça te laisse une idée de ce de ce qu'il est actuellement. Il est euh, il est il est moudé du il, coup. Il est cake. Le mec est un cake. Le mec sort vaincu. Ah Là, il, est, il, est, il est pas content. Fatigue, pardonnez-moi. Je voulais non. dire le mec sort vaincu, pardon. Ça en fait des fesses. En même temps, tu me tends les perches, tu me parles de cake et de démouler. Eh ouais, hein. mon préféré, c'est le démouler. Le <laughs> tu dire. <laughs> Aïe aïe aïe, le stream dérape. Non, 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 non on est là. Oh, oh ouais, oh. On, on garde toujours le contrôle. Quand vous Pas pensez ça que ça dérape, c'est contrôlé. C'est ce qu'on appelle du drift. Un dérapage contrôlé. Exactement. <laughs> oh, bah, il est là, lui. <laughs> oh. euh, si tu me permets, je prends mon piqueur sinistre. Et vas-y, la petite synergie là, je la vois arriver, elle est toute regarde. belle. Regarde, regarde, ah, regarde, regarde. Je regarde, je regarde, je regarde. Hop. Et j'ai utilisé mon dernier petit trésor. tout toute façon, plein de mana maintenant. Pouf Je crois que c'est la fatigue, c'est les 10 heures de travail plus le stream là. Je. J'ai je rig... le... le rire facile. Hop, ça dégage. On va droit 3 cartes. Mais bien sûr. Oh là là, mais ça part, ça part sous temps de value. Pendant la pile, genre on a les trois je... triggers, au deuxième trigger, il concède en réponse. Je vais te poser une vraie question. Que ce soit ce deck là ou le deck cimique, est-ce qu'on peut perdre une game ce soir Eh bien je vais alterner l'un et l'autre jusqu'à ce qu'on perde une game, Val. Voilà. On peut, peut être, être qu'on se couche pas ce soir. Non mais ça me va, je suis trop chaud. Mec, let's go. Je pense que c'est plus les frères Elric pour l'instant, Gravelord, parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Alors que Nicolas Flamel, bon, c'est un peu barbant, tu vois. N'empêche, est-ce qu'on peut parler de euh, la moitié du film Harry Potter 1 C'est Ah, oh, Nicolas Flamel, la pierre de qu'est-ce que c'est Il ouvre un bouquin qui fait... Il le referme en se disant Bon, bah, c'est de la merde ce qui est en train de se passer, effectivement. Et, après, oui, et au final, on s'en bat les couilles. Il sera remis à Dumbledore. Alors, Nicolas Flamel, bah, j'ai ouvert un bouquin, il m'a goulé dessus. Donc, euh, je peux te dire qu'il va se faire foutre. <laughs> je veux plus entendre parler, non, mais au final, il trouve la pierre et on sait pas ce qu'elle est. Eh, elle était juste dans sa poche. <laughs> Qu'est-ce que tu as dans ta poche, Harry? <laughs> tu repars sur le doublage du sud? Ah, bah ben, obligatoire, franchement, putain, qui sera détruite. Ah, elle sera détruite. Ouais, je sais pas. Moi, je pense Dumbledore, il se l'est mis dans le, il se l'est mis dans la poche tranquillou. Oh putain. Oh, je les déteste. Ah, oh, démo démolis-le lui. Mec, te plaît. je le démoule lui. <laughs> Démoule-le s'il te plaît. Tel un cake. Oh yes. Quel plaisir. Ça. <laughs> oh, putain, y a encore ce land de merde qui pas. Hop, je le jette. Ça oh, a l'air vachement fort. Entre divisé oh. par zéro, son deck nul. As-tu vu wow. Ah, je l'ai vu, ouais. Mais on a mieux à gauche. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que je m'en merde Bon, bon, on va. Alors ça, par contre, faut gérer. Ça gère de gérer. Ouais, gérer. ça va, ça va. Tu peux faire un petit, un petit, une petit clé d'archives, hein, tranquille. Hein. Tranquille. Oh, bon, j'ai trouvé l'âme du destin. Eh ben voilà Regarde là, le petit jour de condamnation oh là, qui va faire le taf. Hop là <laughs> Je me défausse de la forêt magique. Je ne peux pas. Et que ça serait ultime. Le Nemesis de Val. Ah non, mais là, on va le démolir. Hein. Genre, il n'y a juste pas débat. Hein. Attention si vous jouez ce deck, euh, les cartes que vous euh, prenez, elles sont pas cassables avec vos landes. Il faut les casser avec les archives, si jamais vous avez pas ouais. les bonnes couleurs. Donc ou si on trésors. vous casse ça, ou des trésors, si on vous casse ça, vous pouvez plus les casser. D'ailleurs, euh, pourquoi as joué ton Bah, Il se remplaçait, ça faisait gagner un PV. Donc j'étais content, et après je me suis rappelé qu'on avait pris ça. Il va falloir quand même que tu boostes le 8-8 parce que tu peux pas le tuer lui. Ah bon? Ah si, attends. Mais ah non, ça n'a pas okay, indestructible okay. non plus. Oh ah ouais, non mais calmez-vous. Euh, je crois qu'il qu avait l'indestructible, pardon. Oh yes, et tu ça peux t'installer dans les friches pour avoir un coma. Non, faut que tu l'en Ouais. faut un coma ou un, un horreur briscoque. Hein. Hop là! <laughs> J'adore comme il fait. arrive. Mais c'est insane en fait! Trop fort! Ah oui, Pour... euh, s'il bah, fait ça oh, c'est chiant. Fait. Alors le mal est fait. Bah, bah. Mais attention. Ah, Pour deux tant cartes de haine se envers les decks Claire et la vienne, mais parce que c'est une stratégie horrible. Et là il a perdu si vous voulez. Eh oui. Pourquoi tant de haine bah, parce que voilà voilà pourquoi. Parce que, parce qu'il va perdre. Vous avez mis le jeu en facile. On a juste des decks de porc. Et pas celui d'Amsterdam. Ok, fais attention à ce qu'il peut faire avec Aura par contre. Ouais, j'ai ça. Ouais, non, mais bon, au cas où. Là, tu vois, tu le laisses trigger, ça fait quoi C'est quand une bête meurt, c'est ça Quand lui ou un autre clerc qu'il oh, contrôle meurt, qu prôme, il réanime un clerc qui coûte moins que le, le clerc qui est mort. Ok, ça marche. Fin de tour on tapera le 3-3 pour avoir le droit d'attaquer avec coma je pense. Oh, je vais bouncer un truc là pour faire sortir les mascottes. Ouais si tu veux. Bah buns aura du coup. Ou ça, ou voie des Bénis, c'est pareil en vrai. Ouais, voix des Bénis, c'est dégage. Là tu tapes. Ah mais non, putain on est con. Quoi C'était obviously aura qu'il fallait bouncer, parce que sinon là, dès qu'un... c'est dès qu'un clair meurt, non euh, Ouais, mais il ramine un truc qui coûte moins cher, donc euh... Ah bah ouais, mais... Là, il peut ramener un drop 2 qui pue. Ah, Et peut là, il ramène un, un drop mains. 1 qui pue. Mec, c'est bon, c'est oui. Ça mangeait pas de pain que de booncel au aura au final. Ah, mais, mais par contre. Euh... Quoi Là, il là, faut que tu lui tapes un bloqueur, sinon il te triple bloque coma. 6. Bah, ben, tu tu le... 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 ouais, Quoi que tu t'en fous, tu un... Mec, qu'est-ce que tu me racontes là Oh, je comprends mais rien. Je, je sais pas. Oh, je moi, comprends ouais, rien je à ce qu'il me dit. Regarde ça. Et Je suis fatigué, oh, je sais pas. Déroule-le, m'écoute pas. m'écoute pas. Sortie Sorti les mascottes. Et let's go. Ouais. Et là il le passe plus le bord, hein, je te dis. Non mais j'étais perdu. J'étais perdu. Vu, je me vu. suis dit c'est pas possible qu'on ait tant de puissance dans notre paquet, tu vois. Et pourtant, que la montagne est belle. Merci beaucoup, Saint-Angers 677. Si tu viens d'Angers, très belle ville. Si tu viens pas d'Angers, très belle ville, mais, le mais tu ne savais pas. Merci. Eh ben, oh il attaque avec tout l'espace. Tu peux taper ah, tout son board là. Je engage tout son board et je tue au serpent. Le pauvre Catland. Mais comment ça, le pauvre bah, On rampe aussi, quoi. pour ça que fait... ça fait une diff. T'as l'impression que le mec a pas joué, mais non. On était juste euh, à Bilbil. Allez, on alterne jusqu'à jusqu la victoire finale. Et quand on, quand on perd avec ce deck, Vol, on va jouer mono rouge. Chez moi. Ok, et... dès qu'on voilà. perd avec un... Non, mais par contre, on reste que sur sacrifice et Simic Ramp. Oui, oui. Ah oui, je l'avais perdu de vue. Voilà comme En euh, vrai, je m'avais mis le peut passer pour ce soir. Hein. Je ne suis pas persuadé que le gameplay soit ouf. Hein. Oui, c'est vrai que quand on voit Simic, là, euh, et même sacrifice, on se dit, bon, mais euh, fous, donc moi je ne suis pas On couilles. peut finir sur une run où on est juste undefeated avec les deux bousins, quoi. J'avoue. Euh, merci Little Monkey 13 pour le troisième mois de prime gaming et merci GigaQuark pour le deuxième mois de prime gaming. Et euh, le quatrième mois, pardon, prime gaming. Merci beaucoup. Let's go. Oh, c'est encore ultime en fait. Euh, si on veut avoir un troisième de pour tu disais Mais bon, c'est bon. Oh, c'est pas légendaire, non. ça se cumule, mais c'est fou. C'est beau. Hein. Ça, c'est la gueule d'un enchantement légendaire. C'est vrai, ça aurait pu. Et non. Et non. Si, si cesse. Pas ou un, un truc qui blingue votre caillou. Il te plaît pas notre deck Franchement, il est ouf. Ah mais il faut le dire, hein, s'il y, chose... y a un problème, Sigriff. Alors ah, peut-être que tu l'as dit depuis tout à l'heure aussi, et qu'on fait semblant de pas voir, mais... Alors que je suis sûr que notre deck il plaît beaucoup à tout le reste du chat. Je pense que quelqu'un va dire quelle horreur j'adore. <laughs> C'est ce que je dirais, moi. Dis en tout tout cas. dans le chat si le deck il vous plaît. Il est où, Mnot bah, bon. Il est dans le, dans le classeur. Ouais, Omnat franchement c'est pas très bien. Euh, J'ai vu des decklists passer, mais pff, ça coûte trop cher pour ce que ça fait quoi. Ça manque de Crasis. Ah, on est d'accord, Miguel Velu. Hein Tout à fait d'accord. Ok, bon ça de trouver un enabler un maintenant, un scorpion ou une dispute. Scorpion. j'adore. C'est mieux isette. Non, ça va en côté Izet. À Quête ninja, lui, il veut pas se faire des potes dans le chat. Hein. Alors que Tef, c'est très fer. Je sais sorcier, pas si Tef c'est mais c'est vrai que ça vient rajouter une petite couleur, quoi. Il fait quoi lui Il fait quoi le larron en face là Et Il joue euh... Tribal King. Ok. Oh, le 2-3 venir il est trop beau. Attends, 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 sont quels types ces créatures là Vampire éclair, serp... c'est serpent ça <laughs> mais, mais mytho, mais mytho, <laughs> le type il a changé, j'ai vu. Corps et sorcier, serpent gredin, vampire ouais, éclair. Il n'y a pas un seul type qui est en commun quoi. Ouais, c'est ok ça. Est-ce que vous avez posté les DL sur le Discord Bien sûr, Kamaloups, dès la fin de ce stream. Tu t'en charges Parfait. Non je veux pas le faire. Mais pourquoi tu es avant Bah tant mieux, nous on va pouvoir faire euh, massacre sur son board. Et non, massacre. on a... il nous manque un mal hein. Merci à Ah putain c'est un trésor pour le sub. Merci beaucoup. Je vais aller chercher mon, mon land parce que si je reste stuck, euh, on va rien faire. Non t'as raison. Oh ça me fait double drop 1 en plus, régalé. Putain c'est giga smoothie euh, la petite classe en plus hein. Ah, que que je que c'est pas, pas elle la classe à l'américaine Euh... Mais de ouf bon, C'est toi qui as eu l'idée de classe sorcier Non. Non, non. Je me suis dit, putain, t'as mis une UNCO T'es allé jusqu'à lire une UNCO <laughs> T'as été jusqu'à lire une Unko Non, non, non. J'ai euh, vu ça euh, sur MTG aux autres, pour, euh, mm. pour cette liste sacrifice. D'ailleurs, le, le dernier coup, je pense qu'ils auraient pu le réduire de 1. C'était pas plus cher, quoi. Parce que cette manière... Après, euh, si tu l'actives, c'est très, très puissant. Hein. Oui. Ouais, mais ça t'a coûté 10 mana en tout donc heureusement que c'est fort ouais oula mais il joue quoi le poteau j'ai l'impression qu'il joue un draft oh putain oh je le prends je suis obligé ouais ah, tu le prends parce que nous on sait on sait oui. que c'est fort ça me, plaisir, voilà, ça me fait plaisir Val ça me fait plaisir non je vais prendre plus de points de dégâts et l'empêcher de s'aventurer en fait ouais tu fais bien il y a un petit massacre au croc de boucher hmm. qui ne mangera pas de pain du tout je prends, prends plutôt ça, une je science, crois. non Ah, t'as raison, ouais. Une cylindre. science, ça mange pas de pain non plus. Et là, vas-y, bazarde le board. Hein. Yep. Tu bazardes le board et tu peux jouer un petit, un petit chat si tu veux. Oui. J'ai l'impression de faire de la merde, mais pas du tout. Euh, je vais jouer plutôt ça. Ouais. Quand tu le sacrifies, ah, tu, tu peux faire des, des trucs après. Ouais. Bah ça fait piocher si tu l'exiles de ton cimetière, mais Le chat, ça fera juste un drain de vie. Hein. Alors, les decklists Skirk70, on les a tweetés Donc elles sont disponibles en mode visuel sur Twitter. Et pour avoir l'importe, donc pour pouvoir les importer sur ton jeu, ça sera sur notre Discord à la fin du stream. Un cercle, de -ce que cercle de téléportation Qu'est-ce que c'est cercle de téléportation c'est un truc pour blinker euh, un artefact, je crois. Ou un permanent. Oh, je, je, je crois que c'est trop mignon, ça. Merde, j'ai oublié le switch. Mais mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave de pas avoir alterné. J'en ferai deux avec Simic. Tu pourras en faire deux avec Simic, bien évidemment. De toute façon, on ne peut pas perdre de game, euh... Tu sais quoi, je vais et... arrêter de regarder les mains de départ, juste l'équipe. Non mais regarde-moi ça, c'est indécent presque. Tu sais que ça, quand c'est ton tour 1, c'est aussi ton, de... ton tour 2, et ça c'est beau. C'est vrai. Ah, on va voir. Peut-être une défaite. Tu peux la poster en message privé à celui qui te la demande, docteur Wub. Genre à Skirk 70. Ah, un vrai deck. On va voir ce qu'il propose lui. Là, il joue la 3-3 qui fait des foudres. J'ai une très bonne idée de ce qu'il propose. Sweet. Ooh. Sweet odasé, hein. Je crois que tu préfères coup de pinceau, non Je passe par coup de pinceau d'abord. Ouais, je pense. Ah c'est mignon ce que tu racontes Sigrif. OK, c'est le truc qui blink un artos tous les tours. OK. Ah oui, c'est le l'enchantement blanc à euh, 4. OK. Ouais, c'est l'enchantement A 4 blanc qui est joué euh, qui est joué dans blink en pionnière. Et, euh... et oui, ça permet d'aller chercher une, archi une archive tous les tours. OK. Ouais. Bah pourquoi pas Ouais, on peut, on peut largement rajouter euh, euh, rajouter Tef et cet enchantement là. Le problème, et je pense que ça rend vraiment le deck moins fort, peut-être plus rigolo mais moins fort, c'est que quand tu joues ton drop 3 qui va chercher un land, tu bah, t'es pas sûr de tomber sur ta. T'es pas sûr de tomber sur ton archive quoi. Donc ça fait pas plus envie compétitivement parlant, c'est juste plus marrant. Je suis désolé de briser tes rêves, si griffe hein. Oh, Clas, il m'y a pas fait plaisir hein. Non. Mais lui il, il, sait, il sait ce qu'il va affronter euh, ce soir, il est au courant. En fait, euh, l'idée de tuer en allant chercher des archives à répétition, j'aime beaucoup ces si griffes, mais euh, ce qui est le plus dommage c'est qu'en faisant ça, tu perds ton drop 3 qui fait ramper et qui fait draw euh, une carte. Ben ouais. Et euh, ça c'est le pire en fait dans le, dans le changement de decklist. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, tu perds ce pourquoi le deck est pété. Mm. Donc c'est c'est quand même un peu chiant quoi. Je crois que tu dois Jadar et classe sorcier. Hein. Ouais. T'as landé ce tour-ci ou pas Non. Donc tu peux peut-être péter ton trésor pour le transformer en un land. Ouais, je vais essayer. Salut CMD Darimo. Bah t'es pas le seul à nous avoir dit qu'il y avait des problèmes pour se connecter, mais, euh, mais nous on n'a pas eu. Ouais, j'avoue qu'on a pas eu ce problème. Donc, désolé pour toi, mais en tout cas c'est pas généralisé. Ah bah je vais juste au rouge jadar. Excusez-moi. Attends par contre non 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 non. Ah merde putain, merde. Ah ouais, parce que du coup on a plus de le land. Ouais, ah, on a plus le land et surtout on a un œuf qui se retourne le tour d'après donc ça ne sert à rien quoi. Ouais. Ah. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on va donner une victoire facile à notre adversaire Ah c'est possible non Est-ce possible Ah je suis déçu parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de rester... Euh... Sur une belle streak avec ce deck. Ouais. Pardon. Tes souhaits. J'ai joué Jadar et ouais. quand il le cible, je le sacrifie. Ouais, tu le disputes, ouais. Tu lui dis Jadar, c'est pas bien ce que t'as fait. Waouh, putain, euh, les, la série dans d'éternuement, elle m'a détruit le, le, les naseaux. Et je dois avoir une voix bizarre, non On sent que t'as éternué, quoi. Ouais. Ok, bah écoute, let's go. Hein. Et contre pas ça, s'il te plaît. Voilà. Non, mais je suis pas Donc. sûr qu'il a un contresort. Je suis pas sûr que ce soit Sweet Coming. Non. Ça nous permettrait de tuer Dragon si c'est pas ça. Genre, c'est un piocheur. Regarde, ça lui propose de le jouer. Tu crois Et Je crois que t'as pas trop le choix. que Quoique, on est encore haut en PV, tu peux. Tu peux jouer d'autres cartes, hein Ouais, je pense que là, euh, j'ai bien envie d'envoûteuse, piqueur envoûteuse. Ouais, bah vas-y, vas-y. Essaye de voir si c'est un contre, fais-le tomber. Je vais lander au cas où il joue une syncope. On sait jamais. Pourquoi il attaque pas avec son dragon Ça, c'est une vraie question, HLou. Euh, je sais pas. Il voulait préserver notre poule de PV pour qu'on puisse faire de la belle magie. Ok, tu vois, je t'avais dit que ça lui proposait de jouer la carte. Ah Ouais. Donc on sait qu'on a le droit à ça. En tous les cas, on va exploiter. On hein. va quand même exploiter l'envoûteuse. Le, hein. Ah. Quoi Bah si j'exploite, euh, je ne pas. Pourquoi Parce que la créature n'a euh, plus d'effet. C'est bien que ça nous prévienne. La carte Pika a quitté le champ de bataille. Toute capacité qui se déclenche n'est pas déclenchée. Le what the fuck, c'est quoi Je vais dire oui quand même pour drafter, parce que de toute façon, elle va mourir sur le prochain spell. Ouais. Mais ouais, un peu naze. Ok, c'est giga chelou ça, non euh, Bah non, en fait, c'est logique, mais c'est vrai que de base, j'aurais pas, j'ai pas capté quoi. Je sais pas. Oh, si c'est pas mal logique, ça, conclu. Pierre 3P ou tellement... où il se défausse d'une carte ou vous sacrifie un permanent. Ça fait quoi à gauche C'est le truc qui se transforme en 4-4 là Ouais, c'est ouais, ça. ça. Et ça, euh, quand une bête arrive en jeu... Euh, ouais, le... faut que tu prends tourmente carabée ouais, t'as ouais, raison. Voilà quoi. Et écoute, je... on tuera le dragon de tour d'après. Let's go. Ouais. Ça faut pas le faire parce que si je trouve pas le land, t'es déçu. Hein. Ouais, ouais. Oh petit ping. le petit ping. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un petit divide by 0 qui va venir respecter notre massacre, mais on n'a pas trop le choix. Je tente, de toute façon là. Ouais. En fait, s'il a une réponse, il aura une réponse à tout ce qu'on fait. Donc autant essayer de faire le play le plus fort. Ok, ça passe. Ah, mais c'est clair, là t'as pas le choix que de proposer mmh. cette carte là. En fait, t'as pas le loisir de tourner autour de ce fait dans tous les cas. Mais ouais. Ok, okay là t'es tout doux. Ouais. Je vais le bait avec ça. Voir ce qu'il fait. Ouais. Alors, s'il a laissé résoudre le Massacre, c'est qu'il va pas pouvoir contrer tes spells normalement. Et là, je lui mets ça dans la trogne. Hein. Je pense que tu lui mets ça dans la trogne tranquillou. Je pense qu'il a un piocheur là. Ou peut-être, genre, euh, doublé de galvanique dans la main qui sert à rien. Ok. Bah, nous, on est bien là. Hein. Ouais, ça, ça va trigger. Ah, ça, ça marche ah. aussi. Ouais, ça c'est un peu méchant. Il doit se défausser, ou pire 3 PEV. Et défausser une carte, ok. Oh putain. Bon. Il renvoie Mail. du coup on ne peut pas aller chercher une gestion. Ça va être difficile de gérer cette horreur maintenant. Si on pioche l'onde, on peut faire Space puis Picker gestion. Ouais, mais faut que lui il ait rien... enfin faut qu'il ait rien à jouer parce que lui entre-temps, il peut juste t'empêcher de faire ça quoi. Ouais. Genre avec ça. Ah, il fait la bêtise, c'est-à-dire que là du coup, il garde peut-être pas de quoi le faire en fait. Euh... bah en fait, il peut juste faire ça dans le vent et ça marche. Ouais, mais c'est un... c'est un peu naze quoi. Un peu naze, ouais. On aurait pu attendre. On aurait pu péter ce token pour pouvoir aller chercher euh, euh, le landre. une carte de plus. Ouais, c'est vrai. J'ai ouais, valu ça, mais euh, en fait, on s'en fout. Non, non, être. ça, ouais. À mon avis, ce n'est plus euh, d'actualité. Bah, écoute, fais le play avec Space May, hein. Ouais. T'as pas le choix, donc euh, allons-y. Ah mais j'ai pas assez de mana. Il faut cette mana. Ah putain, on aurait vraiment dû défausser cette. Euh... Euh, du coup j'ai envie de mettre du bord pour bloquer, ça l'oblige à faire plein de spells s'il veut passer au travers. Après ça t'empêche pas de faire quand même piqueur sinistre pour aller chercher une carte. Hein. Oui. Sachant que tu vas trouver peut-être ton land sur le piqueur sinistre. Mm. le gameplay intéressant cette horreur. Ben oui après on peut aussi avoir de la gestion si griffe euh, face à cette carte. Allez Ria Je sais que tu l'as au fond de toi ok il détruit ça il tue le piqueur et il boost passe ce meuil. Euh... ok putain là si on a anti Tibet on pouvait le défoncer quoi trop dommage mm. Bah je fais double bête hein. Ouais. Et là il faudrait qu'il pioche un truc insignifiant. Ouais, il a un spell dans la main. Enfin au cimetière, pardon, il faudrait qu'il ait pas de spell dans la main. Surtout pas de bon S'il si attrape à un land. On n'est pas si mal. Euh. Prismarie, ok, ça lui permet de tuer, de mouncer Il pioche que des trucs de fou quoi. Je crois que t'as pas le choix que d'essayer. Ouais. Normalement, si je calcule bien, on a perdu. Normalement, oui. Est-ce qu'il va le voir On n'avait pas moyen de le bait, dans tous les cas. Bah, si ça le, si ça lui fait pas peur, il s'en fout. Ouais. Et là on a rien à rejouer pour, euh, non, pour fumer nécrotique. Ah c'est dommage franchement. Ah putain on avait l'emprise. Ouais ça changeait rien, on pouvait jouer qu'un Non ça changeait rien, mais bon. Je fais cette petite quête, vol. Ouais, vas-y, vas-y, profite. Bon ben bah, vaincu par l'horreur Briscock. Mais on n'était pas si loin, tu vois. Ouais. Ouais, ça, 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 ça m'enlève pas le, la forte impression que m'a fait ce deck Sacrifice. C'est vrai. A un premier jet, tu vois, en plus, qui et mériterait d'être dégrossi, d'avoir plus d'interactions dans ton side en BO3, des contraintes. En plus, go là, on a joué euh, Sacrifice alors que c'était le tour de simicrampe ouais. On Ouais. ça compte leur... pas la défaite. Du coup, la défaite, elle compte pas vraiment. Genre, je pense que cette horreur briscoque elle est anticipable et battable. Euh, C'est pas mal, tu fais clé T3. Après, euh, ta main, elle est très euh, vraine seven Très vraineuse. Elle est vraiment très vraineuse, quoi. Euh, non, faut que tu cascades tout. Ouais, tu m'as fait peur. Mec, euh, j'ai réfléchis, J'ai réfléchis après, mais je réfléchis Oh, mais les deux ans de sub d'Albarad87, merci beaucoup. Et en plus, avec un sub merci. niveau 2. Tu régales, Albarad, merci beaucoup. Bon anniversaire à toi, du coup. J'espère que tu prends un maximum de plaisir ici. Hein? Hey, j'ai pas fait gaffe, il joue des... Hey, ouais, des trucs. Ah là, il joue des, des trucs. trucs hein. Ouais. Oh, je peux. Oh, je pense qu'on prend toujours un petit counter-spell, non C'est ah, plaisir, ça. Oh, ça, ça peut dégager, rien à foutre. Toujours prendre le petit counter-spell. Le coup de défausser une carte sur la clé des archives, c'est la seule carte de draft, enfin, euh, avec effet draft qui fait ça. Je pense que c'est vraiment en playtest, ils se sont dit non c'est un peu trop fort, il faut perdre une carte, sinon c'est pété. Ah dommage, dommage parce que si on trouvait land, on avait vrai N 7 avec le, le counter spell backup, c'était insane. Allez hein. Je vais faire plus un là je crois, parce que sinon je fais une 3-3, c'est de la merde. Ouais, ça te permet de lander en plus, vas-y mm. vas-y. Ouais, j'aurais préféré l'onde bleue. Ah oh, non les ports, revenez. Putain, j'avoue, euh, oh t'as mal, euh, as mal plus un hein, ici. Hein. Putain, je perds ça, ça, ça. Que des bons trucs. Pour les ports on ouais, a euh, bah, déjà en main, on a ça encore. Mais... Oui, t'en as d'autres des ports, ça va aller. Puis t'as le port d'Amsterdam au pire. Avec les marins qui chantent et tout là. Ouais, ouais C'est que chanson la plus connue de Brel, je pense. Et euh, il détestait cette chanson. Genre, c'est lui qui l'a écrite, mais il l'a détestée. Euh, et on a un seul enregistrement, je crois, de cette chanson, qui est en live, il me semble. Et euh, il ne l'a plus jamais après chanté. En tout cas, il n'a pas enregistré. quoi. Genre, c'était une chanson de commande, quoi. Vraiment, il n'en avait rien à foutre. Bah, je pense que ça avait dû lui plaire un moment. Et euh, après, il s'est rendu compte, il s'est dit, Oh, en fait, je ne pas, en fait. Okay. Et ils ont dit, Ah, oh, énorme la chanson. Et il a dit, Ouais, oh, je m'en fous. <laughs> je t'invite à faire le plus un et à poser un coma. Hein. On en est là. Hein. Euh, bah, ouais, hein. Ok, bah c'est ouais, étonnant. Why not? Sweet. Après, c'est sa musique, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est son bébé. S'il dit c'est pourri, bah c'est pourri. Il n'y a pas d'enregistrement studio ouais, de la musique. Après, avec bon, la technologie il maintenant, euh, ils ont du lycée et on a une qualité ok. Quoi, mais... Mais Je faut... pense que c'est très mignon ce que fait notre oppo. Et effectivement, Acolyte Ninja vient de découvrir le poteau rose, mmh. <laughs> notre adversaire. Euh, joue avec un deck préconstruit. C'est ça le problème de partir en ah, événement. Il oui. n'y a pas d'élo euh, caché. Mm. Euh, quand vous partez sur le ladder, quand vous partez en non classé, vous avez le poids du deck qui va vous matcher avec des decks qui ont autant de rares et de mythiques que le, que le vôtre. Et quand vous partez en ladder, vous avez un élo caché sur votre compte qui va vous faire taguer des joueurs avec, euh, contre des joueurs qui ont le, ou la même ancienneté, ancienneté pardon, ou le même win rate global. Euh, ce qui fait que vous ne vous affrontez pas des débutants. Mais alors en événement, c'est totalement aléatoire. Donc effectivement, on tombe sur des le joueurs qui. On tombe sur des joueurs qui débutent quoi, ça, ça peut arriver. Ah ouais, là du coup, il est pas content de, de rencontrer Koma là si tôt dans. Non, non bah surtout s'il découvre le jeu, il dit waouh, c'est fort. Mais il y a un côté vitrine, tu vois. Il y a un côté en mode ouais. c'est sympa ce qu'on fait. Ouais, j'avoue que moi, quand je commence un jeu que je connais pas euh, comme ça, je me fais détruire par un mec. Bon, sur le coup, je n'ai pas content. Parce que je me suis fait détruire. Mais je me dis, j'ai envie de détruire les gens comme je me fais détruire. Mais tu te veux, veux être le, lui. Que... Ouais, tu te dis je pourrais devenir le détruiseur. Bah mec, tu vas chercher un drop 6, hein. Non, non, pas maintenant. Mmh, pas il pas faut que je lance. Vous devriez concéder le pauvre. Bah non, ça va, attends, et c'est respectueux de notre part que de continuer à jouer notre game, justement. Je pense que c'est important de continuer à jouer et de respecter notre adversaire, même si c'est un débutant, quoi. C'est pas comme si on avait choisi euh, euh, d'aller se battre contre des, des joueurs qui débutent. Ça, on a été péré naturellement par le jeu. Enfin, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est quand t'as gagné la game PL, on la concède. Ah, oui, ça me va. Mais on est là pour jouer à Magic jusqu'au bout, quoi. Oui, en plus, si jamais il fait l'événement avec ce deck-là. Déclat... Peut-être qu'il va avoir du mal à faire ses 5 wins euh, rapidement. Non, ça, me va, ça me va de lui donner la win dans l'événement, mais pas lui donner la win. Euh, oui, pas gratuit. Dans, dans le jeu, tu vois. C'est oh, important. Jeu contre... Oh non oh, oh, il est parti, bébé. Rip Dommage. Ça, on lui aurait donné la win, ça aurait été cool, mais, mais on voulait d'abord gagner la game. Quoi. Le dé Il, va, il va Aïe, 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 aïe. Eh bien, Simicrope, hein. il Et bon, six... le deck. Hein. Eh, le deck, il est très bon. Il fleure bon. Moi, je sens, ça sent bon. Non, c'est comme ça. Tu, tu, tu commences des fois une, fois, une fois au chalet, tu tombes sur quelqu'un qui est particulièrement plus fort et, et en fait, t'en gardes un peu un souvenir comme un but à atteindre, tu vois. Tu te souviens quand tu t'es fait péter le cul Ah, je me souviens. J'ai adoré Magic. <laughs> mais non, mais... On a tous cette expérience de d'arriver en boutique et se faire casser mmh. la bouche, tu vois. Ah bah de ouf. Ah ben bah euh, moi c'est à chaque fois qu'on me demande comment t'as commencé Magic, enfin en tout cas Mais les ouais. tournois et tout, je raconte toujours la même histoire, parce que c'est toujours la même façon. Ça c'est toujours pas passé pareil. Et euh, je me suis littéralement fait péter le cul dans un tournoi où j'avais un deck pas dans le bon format. Imaginez, vous draftez un deck euh, que... de merde et vous faites un tournoi moderne avec. C'est très important que tu parles de cette histoire parce que j'en ai parlé parlé lors d'un de mes lives de mmh. cette histoire et je savais pas si j'étais dans le vrai ou si je déformais un peu la réalité. Mmh. Mais j'ai raconté ton histoire lors d'un live pour le coup. Et en gros, si je me souviens bien, tu joues un deck pas du tout format, même pas dans, pas dans le bon format. Dans aucun tu joues format. Un deck qui avec les cartes que tu avais, ouais. qui étaient des communes et des zones ton... co. Hein. C'est pas des rares. Hein. Voilà, des communes et des zones oh. Et ton ah, ben oh, ça va. Ben, J'ai pas pu répondre avant qu'il fasse le trigger, mais ah. heureusement il l'a mis sur l aspirante. Et ton premier tournoi, euh, on te propose de faire un tournoi moderne où tu prends euh, combo T4 de, euh, de Twin Exarch et ton avant le tournoi. Te dit, euh, bah, mort. Avant le tournoi, euh, il me dit euh, euh, harceleuse et il me montre, tu vois. Et moi je fais euh, D'accord, euh, vas-y. Okay. Je fais genre euh, Ouais, je connais, tu enfin, vas-y, joue ta carte, c'est une 2-1, quoi. Et il me dit bah là j'ai gagné, je fais ah bon Et il m'explique je fais ah ouais Et là je me rends compte tu vois, me rends compte que ça va pas du tout cette histoire. Ça bah, j'avais pas loupé j'avais pas loupé l'anecdote. Et j'ai quand même okay. le, le meilleur truc dans ce tournoi c'est que j'ai gagné une game sur les quatre rondes qu'il y avait. Et je l'avais aussi celle-là. Un mec qui s'est fait euh, pourrir tout le tournoi, il jouait dredge et je lui ai mis 2-1 et je ne sais même pas comment j'ai fait. Et il avait un démon, mais il a invoqué le démon Gorgo. Suite à cette Avec défaite. Il a créé Stranger Things. Mais je pense qu'il a bric... C'est normal. Euh, il a très très fort. Euh, il, il a Il des kimchi de son deck. Et toi, tu curvais des merdes. Et puis voilà. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, Val. J'ai curvé des merdes. Mais ah, vraiment, c'était cool. nul à chier, quoi. Ah, ah, Imaginez un deck me... nul à chier. Et ben c'était mon deck. Ça me fait beaucoup rire, pour le coup. Je trouve qu'il y a une belle leçon. Ah, oh, j'aurais dû dire ouais. en fait. Oui, je sais pas pourquoi t'as gardé aubergiste, mais... En fait, je suis tricksé par le land qui, euh, qui est fantôme, mais en fait, non, celui-là, c'est un vrai land. Et Je, je racontais ton anecdote, et j'ai tout raconté. Donc, le fait que tu prennes euh, harceleuse, euh, twin, et que tu ne comprennes pas que, du coup, tu as perdu, ce qui est une expérience très désagréable quand tu débutes à Magic. Ah, tu découvres le les combos es dans, un... dans un tournoi ah ouais. euh, où tu devais pas être lors de ton premier tournoi. Et le fait que tu avais quand même battu un joueur de Dredge, et je me demandais, je ne faisais que dire pendant le live... Vous demanderez quand même confirmation appel, parce que je sais pas si j'invente pas des trucs et j'avais tout bon. J'ai jamais fait ton nom en fait. <laughs> T'imagines Il te demande euh, Non, ça m'est jamais arrivé. Eh oui, je sais je peux jouer comme elle est priceless, hein, c'est improbable. Il y a pas beaucoup de gens qui peuvent raconter celle-là. Non, mais vrace-le là, on s'en fout. Hein. Ouais, j'y vais là. Non, mais c'est dire à quel point tu as été mal conseillé pour ton premier. Enfin, ça n'a aucun sens. Ah, de ouf, euh, fais plutôt aubergiste et ouais. comme ça, lui on le garde en lande. Ah, J'ai landé pour rien, mais je peux pas vous ressortir la DL, les gars. Mais il y avait vraiment genre des 2-2 vigilance pour deux quoi. C'était littéralement de la pisse. Je crois que j'avais des 1-1 qui font gagner 3 PF d'avacine. Euh, je devais avoir des 2-2 fly pour 3, enfin vraiment. Euh, genre, ouvrez un booster de draft. Gardez que les ouais. euh, cartes bleues et, et blanches qui n'ont pas trop de texte, vous savez mon deck, quoi. Trop bien. Et t'as battu un mec qui jouait Dredge, mais c'est juste mais, cher, en fait. Mais euh, admirez la compétitivité de l'être, quand même. C'est que déjà, je suis pas parti. <laughs> je reste toute la soirée. <laughs> déjà, c'est bon. Tu prends, tu prends Kill T4 sur Harceleuse Twin Exarch, et tu te dis, non, mais mec, je vais rester, je vais vivre cette expérience. J'ai pris 4 fois vraiment, ça avant de faire fait. le tournoi. J'ai fait 4 games contre Twin Exarch avec mon, ma pisse et à la première il se dis, bon, bizarre, dit bon c'est bizarre. Une seule fois je vais arrêter de jouer contre toi. Bah après euh, on, on s'est dit bon je crois que hein bon ouais, je crois que hein, je crois que <laughs> voilà. Mec je sais que je payerai mais vraiment je payerai pour voir ta tête quand le mec te fait fin de tour harceleuse. Ok à mon tour Twin. Ok à moi euh, non t'es mort. Ah moi j'en avais rien à foutre de ce qu'il m'a racontait. <laughs> Genre je... ah en mode, bon, je peux jouer Bah ben non, en fait, t'es mort. Ben pourquoi Moi, je voulais jouer à Magic, quoi, j'étais content. D'ailleurs, tu... je t'ai déjà dit qui c'était qui m'avait tué avec Ilexark. Ça devait être grandiose, non. C'est euh... monsieur Cyril. Ok. Qui collectionnait okay, okay, aussi les vois. cartes. De quoi Qui collectionnait aussi les cartes DB. Cyril qui collectionnait les cartes, les DB. cartes DB vintage. Ah ok d'accord. Ah oui c'est okay. lui qui m'a éclaté. Mais euh, n'empêche, euh, belle petite histoire c'est que bah, du coup il m'a éclaté et il m'a un peu parlé pendant le tournoi après. j'en euh, rentre les rondes en mode alors et moi je fais bah, euh, je... là n'est pas ma place <rire> visiblement. <laughs> bah, c'est pas mieux quoi. C'est tout quoi. Et tu veux c'est un gars sympa tu vois. Ouais, as de pas de fait passer un moment, Mais au-delà de ça... C'est que euh, après, il m'a euh, un peu pris sous son aile et il m'a euh, invité à des soirées ouais. où il y avait des mecs qui tryhardaient et j'avais pas encore ma place là. Mais grâce à ça, bah, j'ai fait des tournois, j'ai appris que... à jouer à Magic. Le mec, il t'a roulé dessus en boucle, il a essuyé sa semelle de chaussures pendant 4 Allez, gamin, toi. viens. <laughs> Monte dans mon minivan. Vraiment, tu l'as euh... juste chauffé pour le tournoi, tu vois. Ouais. Il fallait qu'il goldfish, il, il s'est dit je vais goldfish contre un mec. Mais... C'est ça. Je vais foudre des 2-2 deux -deux et, euh, ah. et je vais combo. Bon. Mais, mais il était quand même sympa avec toi, quoi. Bon, ça va, mec, c'est incroyable. Cette anecdote, elle est oufissime. Je pense mmh. que tu, tu te rends pas compte la puissance de l'anecdote. Et au-delà de quand j'explique du coup au au marchand de sable, j'ai envie de l'appeler comme ça, euh, euh, que j'aimerais bien faire les tournois et euh, quelles cartes je possède, du coup. <laughs> Pour, pour faire des tournois. et j'ai pas dit ouais j'ai des cartes de fou et tout qui datent de moderne non je savais pas ce que c'était le moderne donc euh, vraiment je lui dis euh, moi je vais faire non, des tournois j'ai ça quoi installe toi dans les friches ah oui c'est mieux bah non enfin je sais pas je te demande tu, tu crois pas <laughs> c'est mieux non mais alors c'est pas mieux je fais ça non non mais il y a débat tu vois euh... moi je m'installerai dans les friches ouais je peux m'installer dans les friches t'as raison t'as raison oui oui as, tu, tu, tu as été conseillé euh... piètrement euh... <laughs> ouais, malheureusement, mais, ouais, assez, ouais, Mais c'est pas ça le, le problème, c'est que après, la compétitivité de l'aide dont je vous parlais, c'est que j'avais conscience qu'il fallait être le meilleur, vous voyez, pour se faire un tournoi. Du coup, oui. comment on est le meilleur, Val En apprenant des meilleurs. Et non, en ayant de meilleures cartes. Oh très beau ah ce qui oui est... ah bah bien sûr et du coup comment on a de meilleures cartes quand on est casseur en fait le gérant il t'a envoyé au casse pipe pour que aies envie d'acheter tout son stock t'as compris gamin maintenant achète ce booster <laughs> trop fort 3 francs 50 <laughs> pas du tout c'est pas en francs tu veux pouvoir faire kikijiki euh, harceleuse il achète faut que tu achètes des boosters de ça et de ça bon, faut que tu en achètes pas mal par contre <laughs> non non c'est bon si j'ai la carte en une fois je vais la piocher ou non c'est bien oh, le boss. Ouais, tu vas comprendre ça plus Allez, tard aussi. On cette petite forêt pour avoir notre petit espoir volatilisé. Et euh, du coup, comment on a des nouvelles cartes quand on est casse du vol oh. bah, Je sais pas, c'est une vraie bonne question que tu poses. Moi j'ai la réponse, hein. je sais comment j'ai fait. Bah t'achètes des boostas quoi. Exactement. Mais comment tu choisis tes boosters ah bah tu demandes celui où il y, euh, y a Harceleuse et Kikijiki quoi. J'ai demandé, mais bah, je m'étais pas encore fait péter le cul, donc je... sinon j'aurais demandé ça, <laughs> et et tu, tu réponds, comprends bien. Bah, ça existe pas un booster avec Harceleuse et Kikijiki. J'ai dit mais je m'en fous moi, je les veux. Et bah euh, je dis, bah, j'aime bien jouer des cartes blancs et bleus euh, volantes. Et il me <laughs> dit bah du coup, euh, prends les, les boosters euh, Retour sur Avnica euh, dedans. Euh, il euh, y a un de et bleu volant très sympa. Et du coup, moi je dis oui. Et je prends les boosters, j'en achète 8, ce qui fait quand même une somme hein, quand on est euh, étudiant sans le sou. Et je me dis putain, il faut que j'ouvre des dingues là. Et j'ouvre genre un ou deux trucs qui peuvent aller dans mon deck. Je me dis ok, euh, les choses se passent, tu vois. Oh, Mais okay. euh, maintenant je me dis, c'est terrible ce que j'ai fait. C'est terrible. Ah oui, ah bah, c'est Mais... terrible. Oh. Te <laughs> Mais... es dans, tu es tombé dans son piège. Ouais. Là, tu étais dans un Genjutsu. Gros. <laughs> tu fait, euh... Il m'a Genjutsu. Euh, cinquième Dan. Je ne pouvais plus m'en sortir. <rire> <rire> il fallait que je me repente. Il oh, n'y a, a pas d'autre choix. Ah, il s'est mis bien. Il s'est mis tout doux là sur toi. Oh, là, les 8, oh, 8 boosters oui. à l'unité. Full, full price. beam Ah, c'était dur. Allez, Après, allez. cela dit. Le, la connaissance du, du mec était, était, euh, était bonne parce que dans Retour Tour Avnica, pour avoir joué à cette époque-là, il y avait des petites cartes Azorus très sympas. Le petit familier qui faisait Curse Catcher en se sacrifiant, la petite mmh. 3-1 qui détenait des cartes. Je sais même il y plus avait ce que j'ai ouvert. Article. Genre, ai aucune idée. Bah, mais, visiblement euh... pas ça, quoi. Non. mais en vrai, il faudrait que je regarde les cartes à partir du bloc à euh, ressuscité. Euh, et je pense que je peux vous retrouver les cartes de visu, je les vois et je vous fais le deck. Et les lentes par contre, impossible de vous dire. Je pense vraiment que j'avais 20 lentes dans mon deck et encore quoi. Même pas pas dans si la je sais... sais même pas si j'avais 60 cartes. Je pense que oui quand même. Je pense que j'ai au moins regardé ce qu'il fallait pour avoir un deck euh, légal, mais euh, je suis même pas sûr. C'est priceless tout ce qu'on raconte là, vraiment. Que conseillez-vous pour un joueur qui veut se mettre au carton Tu vas faire un tournoi moderne avec un deck de draft et t'achètes les boosters des couleurs que t'aimes bien. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais c'est une super leçon. Ah ben Derrière, tu crées une chaîne YouTube, donc ça va, tu vois. Après, c'est pas de suite. Hein. Ça prend ah, ça des ça années, derrière. Un peu de temps à... mais, euh... mais... un peu de temps à nourrir, tout ça. Mais t y Il faudra digérer au préalable. Il faudra digimon. Ah, peps, ça a là. Je vais cliquer sur le serpent. Les petites boules roses. Pff, ouais, tu peux engager ça. Ouais. Eh bah ben, écoute, le mode alchimie pour l'instant, il est très plaisant à Colite Ninja. Je pense que ce que j'aime bien, moi, c'est que les decks de standard sont toujours jouables. Donc, du coup, l'alchimie devient une... vraiment un format euh, parallèle au standard où il est possible de jouer tes stratégies de standard. Mais en même temps, il y a des nouveautés qui s'y ajoutent et quelques cartes digital only pour un peu plus de fun et de fit avec un support numérique donc pour l'instant moi mon impression elle est très bonne encore une fois le problème de l'alchimie euh, comme on le disait avec PL c'est pas l'idée c'est plutôt la mise en place et le coût économique que ça, que ça amène donc pour l'instant plutôt satisfait oh. hmm. ah bah foudre et je tue Sourine. bah ouais vas-y hein. Bon le ça, s'en fout. Tu peux tuer son Sorin effectivement, ça mange pas de pain. Et tu peux attaquer aussi avec, son, avec ton coma tranquillou. Tu peux attaquer d'ailleurs avec ton coma dans son Sorin. Voilà, et comme ça tu le fais. Tu croques une petite bête au passage. Ouais je vais la Kekro. Alchemy m'a dupliqué pas mal de cartes au lancement. Alors normalement ça te duplique toutes les cartes qui ont été nerfées. Ouais ça te les donne ouais. Euh, il double bloc Bah, ben, je crois que j'ai envie de foudre son moissonneur pour buter Edgar. Ou je m'en fous Bah, euh, ben non, tu peux rendre indestructible ton serpent et finir et manger les deux. T'as raison. Ah, non, tu manges pas les deux par contre, pardon. Tu manges juste Edgar. Si, si, parce que je fais euh, 4 et 2. Ah, non, je sais plus si je le tue. Je suis pas sûr. Non, non, tu le tues pas. Hein. Tu le tues pas parce que t'infliges tes dégâts en même temps. Eh si, est ah ça. si, c'est ça. Parce qu'il perd ah le, si, si, le, le plus un plus un. Pardon, bien sûr que si. Par contre, tu vas foudre le, le Sorin maintenant, quoi. Ouais. Et tu peux aussi, précepteur diabolique. Ah, oh, ça m'a payé avec le cul. Mais n'importe quoi. Putain. Mais il est fou ce ouais. jeu. Hein. Quoi que si je vais chercher à Cox, je le ferai tourner je ouais, ouais. Giga relou, quoi. Ouais, dommage. Je pouvais garder mon trésor. Hmm. Je crois qu'horreur Briscoe c'est d'une violence rare. Je pouvais même prendre les landes et tout. Vraiment fort cette carte là. Pourquoi personne joue ça D'une élégance rare. Da -da -di -da -di ouais, tu vas pouvoir faire horreur Briscoe dans Vren 7, Seven le tour d'après. Euh, ton Oppo, il va faire euh, l'avion, littéralement. 4, 5, 6, 7. Non, tu peux pas faire les deux. J'avoue, j'abuse. roi Dadidou. Putain, il s'arrête jamais. Ça va se retourner ça, non Ouais. Ah ouais, ça va être chiant. Ah non, c'est quand ça meurt, non, Dès qu'il y a 5 jetons sans, ça va se retourner, ouais. Il n'y aura jamais 5 jetons sans mec. En fin de tour, tu veux pas lui taper une petite... Euh... Ouais, tu peux le faire à ton tour cela dit, mais. Ouais. Ah, oh, parfait lourd. Et ben voilà, horreur briscoque. Boons, boons. Tap, tap. Tap, clap, clap. Et c'est bon. Jip, jip. Le petit pev. bounce le 2-3, tranquillou. Tu boons aussi là 1 hein, tranquillou. Non, pas la 2-1, la 1. Là, hein. Comme ça, elle revient jamais. Ah oui. Et la eh 2 oui. 1, tu la tapes. Eh oui, 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 Ça, oui. c'est gardé aussi. Ça part. Hein. Il est un ce deck. Ça pousse Ça pousse Mec, oh, la mais petite qui vidéo qui va être un... tournée dans deux jours là-dessus. Mais qui peut s'asseoir bah, à notre bah, table, PL bah, bah, bah. Et je te connais, samedi, je vais te découvrir. Tu vas me dire oh, j'ai pris la décliste simique, j'ai mis des néons, du rouge, du bleu, du noir, du vert, du tout. Et maintenant, <laughs> elle marche moins bien, mais putain, ça claque. Elle marche moins bien. Qu'est-ce que tu prends du plaisir avec <laughs> Ah, mais c'est bien, putain. Est-ce qu'on est retourné dans les boutiques depuis un peu pour les réouvertures euh, Il me semble, toi, PL, que tu as fait quelques drafts, et moi, je joue en boutique pour jouer à d'autres TCG, donc on, on est repassé en boutique, vite fait, ouais. Euh, ouais. J'aimerais euh, y aller plus, mais, euh, mais à chaque fois que je crois avoir du temps, ce n'est que... Ce n'est qu'illusion. <laughs> ce n'est qu'un mirage. Ce n'est qu'une une vague pensée. Ah ben là, je me disais, euh, ça va, elle est pépouse cette semaine, euh, on est bientôt en vacances, et en fait, euh, Pépouze, elle est pas hein pépouse. De quoi non, non, c'est bon, pardon, excuse-moi. Ah. Il faut bouncer son truc. Ouais, non, mais c'est clair, en ce moment, tout le mois de décembre, en fait, de septembre à décembre, il faut se rendre compte que c'est la période la plus... Euh, où il y a le plus d'actualité, où il y a le plus de demandes, le plus de, de partenariats, le plus de, de choses à faire. Donc c'est très compliqué en termes de, de temps. Et c'est vrai qu'on a toujours une actualité, toujours un truc à faire. Et on a hâte de, des vacances de Noël pour se reposer un peu. C'est clair. C'est très clair. Merci voids. Merci Voivode. D'ailleurs, euh, semaine prochaine, nous, on a un petit truc de notre côté avec PL, une petite actualité qui va nous prendre un peu de temps. Mais on a aussi, du coup, le week-end prochain, donc pas ce week-end-là, celui d'après, le tournoi Valet-PL en alchimie ça va être incroyable. Et après le tournoi Valet-PL, on a euh, une petite OP euh, qui commencera le lundi et qui se finira le mercredi. Et donc, du coup, bah, on fera quelques petits streams supplémentaires histoire de, de pouvoir mettre en, en avant cette petite OP. Donc en fait même pendant les vacances on sera encore un peu euh, pas en vacances quoi. Yep, d'ailleurs ça va être l'occasion de, euh, de nous régaler totalement. Déjà ce sera full gratuit et, euh, et vous pourrez... Euh, ah dommage ça c'est un traf vous pourrez nous soutenir euh, gratuitement du coup euh, via cette OP. Et ça nous ferait très plaisir. On en parlera de, dans de plus amples détails lors du, lors du cast du top 8 du tournoi Valet PL le dimanche 19 décembre, parce que notre OP commence le 20 décembre. Voilà. Je joue juste un tour sup là, non Est-ce que c'est utile de jouer un tour sup Je suis pas sûr. Hein. Je garde ça up. Tu veux pas juste garder ton horreur up Ouais. Pour manger l'adversaire Genre, ouais. il peut vraiment. Pas ouais Ok Ok, je pense c'est la bonne tech, ouais. Ok, let's go. Bonsoir. Je pensais qu'on allait arrêter le live genre à 22h. Je vois pas le temps passer, je me régale, j'ai juste envie de continuer à jouer. Mais moi je suis régalé, hein. moi je m'arrête pas. Hein. Mec, viens, on fait un truc. On joue tant qu'on qu gagne avec oh, ce mec. Ah oh, il est trop fort. Mec, il fallait que tu dises ça maintenant, quoi. Ah, ouais, j'avoue, là par contre, euh, ça craint un peu du boudin, quoi. Ça peut juste tu peux aller trouver Wrath of God et gagner cette game, maintenant. J'aurais bien un petit tour sup, moi, d'abord. Tu peux jouer un petit tour sup. De toute façon, euh, ça pue. Oh, je lui donne un tour sup. De toute façon, ça pousse. Ah, ça pousse de ouf. Alright. Ah, attends, horreur Briscock plus Divide by Zero, ça fait grave le café, Mais hein. eh ouais, mais j'ai pas le mana. Si je fais il ça, un. il me manque un, ouais. Ah bah non bah il faut trouver Brass alors. Élise d'éclair ça marche. Je crois. Oh, bien joué. Je tue ça. On prend 6, on est à 6. Euh... Mais je peux divide par 0 une créature qui attaque, donc c'est bon. Ok, nice. Valer les curse call. J'avoue là j'ai un peu fait de la merde. Mais ça va, on est vivant. Et je pose valeureuse, j'ai bien envie de tuer un truc maintenant en fait. Tuer un truc maintenant, ouais. L adversaire ou entrave-sort, c'est pareil Adversaire plutôt. Moi je tuerais l'entrave-sort parce que tu t'en fous du Bouncé adversaire alors que le Bouncé entrave-sort ça te pose problème quoi. Ouais c'est vrai. C'est 6. Genre en termes de tempo, on s'en fout qu'il rejoue adversaire en payant plein de mana. Putain, on est vivant, mec. J'en reviens pas. Et là, tu boons ça. Oh, et se là, maintenant, non, on est des archives. Incroyable. Je prends science. Là, je crois que tu prends enseignement. Et tu feras briscoque enseignement le tour d'après, non Oh oui. Parce que là, tu draws 3 en plus. Quelle belle histoire me racontes-tu. Là, mec, je draw tu... 3, ouais. On est là, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah non, ça c'est un bon, magique. Celui-là c'est celui une carte morte, ouais. Il est dupe ça. Ça sera pas maintenant le chat, vous avez compris On va pas la perdre celle-là. On, on la perd On la perd On la perd On la perd pas. On la perd pas. Regarde comme on la perd pas. Oh, c'est juste insane. Donc là tu fais Aurore Briscoque, tu draws tes cartes comme un grand. Tu peux même d'abord passer par aubergiste pour ah, deux du. cartes. J'aurais dû pour gagner un P le faire avant. C'est pas très grave. Ah là, mais non mais, mais je préfère Boonse, ouais. T'as raison. Oui, dégage. Et là l'enseignement, et là c'est échec et mat mon gars. Échec et gars mon mat et avec l'horreur on peut booncer ça, mais mec, il est insane ce deck. Ah, il est trop fort. Garde-le, c'est un spell, ouais. Un petit spell. Et là, les 4 derniers points, franchement, faut qu'il se lève très tôt, Michel, pour les mettre. J'ai cru qu'il allait lancé lancer un blast. J'ai fait Non, balle, toi. Et merci Shushenron, Shouchenron pardon pour le sub. Merci beaucoup. Oh, j'aime beaucoup le double jeu de mots. Si c'en est un. Mec, il a perdu. J'ai ouais, trouvé euh, Aventure du Second Soleil euh, sur la Lune là. Ouais, prends, prends ah, jour de prends... Condamnation hein, si t'as peur. Ouais, je préfère Contresort non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais, ah, fais Vrain et C'est un Vas-y, vas-y. Ça, ça dégage. Ouais, Forêt ça ça dégage. Et on pourra aller chercher notre sortie des mascottes de toute façon le tour d'après. C'est euh... vrai qu'on est vraiment. Ouais. Bah, je pense que je vais surtout faire diviser par 0 sur Archive. Euh... En payant avec archive et je leur pose. Ouais, c'est pas mal aussi, ça te permet. Euh... Enfin, s'il fait rien, tu vois, s'il nous propose rien. Ouais. Oui, s'il fait rien. Il va exiler le token Je crois que c'est non, ça. Ouais, ça, j'en veux pas, ça à ma table. Pourquoi reste-t-il Bah, je sais pas, écoute, il est. On est à 5, il a, mal -land, il a un Madland. il a visiblement beaucoup de puits portables. Putain, il est bon, hein. Et s'il a encore un... Non, ça va. Et on va lui donner l'aubergiste, je crois. Ouais. Ok, ça c'est pas mal d'avoir trouvé ça là. Tu peux plus un tranquillou. Ok. Alors, quel est le plan maintenant tu veux, faire, pense... tu veux refaire ton play avec l'archive Ouais, je pense que c'est pas mal. On a beaucoup de mana. Ok. C'est vrai que pour le coup, c'est assez sweet ça. Petite sortie des mascottes tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on n'a pas encore landé donc 11 mana, ouais. Donc je peux le faire sortie euh, et ça. Il je faut, faut que tu landes par correctement ça. par contre. Forcément. Ouais. Il faut que je ça. Euh, le... ouais. Et attends, pour. J'allais dire pour être sûr de pas te tromper Commence par... Ah bah jour de condamnation c'est très bien euh, Il nous tue pas là Il anime ça, il met que 3 Est-ce que c'est pas mieux Élise d'éclair et, et mettre du board là Je peux prendre Élise d'éclair et jouer ta sortie des mascottes si t'as peur hein. Je pense que c'est mieux Ok On s'est faussé de repère de l'hydre Okay. Oh, bon, elle n'est pas gagné encore cette game. Hein. Elle n'est pas gagnée, non. Mais elle est pas perdue. Comme le non, pain. Elle n'est pas perdue. Ah, un peu chiant ça. Ouais, ah, on va pouvoir le tuer, ça, ça va. va aller. Genre, il a pas d'attaque ici. Hein. Non. non. Je croyais qu'il kickait deux fois, mais en fait, euh, pas du tout. What the fuck Oh, bah, elle est nulle son attaque. Hein. Je t'invite à aller lui croquer tout son board au poulet. Euh, non, je vais éviter de faire de la merde juste. Ça te dérange pas. Je vais garder une bête. Ouais, c'est mieux en fait hein. Ah mais elle, est, elle est éclatée au sol son attaque. Elle est éclatée, elle est vissée on the sol. Ouais, je comprends pas trop l'idée. Ouf, trois landes. Là tu vas poser ton hall hein. Ouais, hall. Oh tu peux le faire maintenant comme ça, tu prends pas posture valeureuse encore ouais, une fois. Ouais, j'aime bien. Ah oh, mais j'ai ça, j'ai oublié, puisque le. La photo elle est pas chargée c'est quoi ah c'est un clou, un... clou ah ouais. oh, mais what the fuck depuis tout à l'heure on a ça ouais mais j'ai la photo elle a pas chargé j'ai pas capté du tout okay. bon de toute façon je crois pas que ça change nos lignes de play on a utilisé tout le temps notre mana à pile donc euh... oh oui mec il est insane ce deck est-ce que pour le beau jeu histoire de finir genre à 8-0 on en fait pas une dernière avec ce deck mec je m'arrête pas moi demain tu peux pas lancer la matival je suis encore en live et je sais pas si je vais pas jouer un truc comme ça demain. Je vais jouer ça en BO3 sur le ladder, je pense. Hein. Ouais, test en BO3, voir ce que ça donne. Ouais. Et tu me dis, bon, débrief, c'est de la KIZ, c'est le meilleur deck. Tu peux la garder en vrai. Attends, 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 attends. Tu lentes Florédron, Florédron dans repère Repère dans Florédron. Tour 3, s'installer dans les friches, on est là. Hein. Ah, c'est vrai. Oh la blême. Blême, 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 oh, un elle, ou... est, elle est bien cette main. Ah peut-être que je donne ça du coup pour pas me faire euh, tuer le florédron. pour être sûr de pouvoir faire ton s'installer dans les friches. Ouais. Attends mais là faut que tu fasses repère. Non mais au pire tu te fais c'est pas grave si tu te fais tuer le florédron. Osef, puisque tu fais quand même s'installer dans les friches le tour. Ah oui je suis con. J'ai pu chez le mana donc c'est bon. Ouais. À la base on l'avait pas. Les gens pensent que c'est la game de trop. Il faut absolument les faire mentir il Y a pas de game de trop les gars. Genre c'est impossible. l'erreur de tuer le Floridron ah non il crée un jeton pas d'erreur par contre il doit avoir une combo infinie hein. il y a une combo infinie avec je sais plus quelles sont les cartes y en a une ouais il y a une combo infinie avec ça mais je sais plus laquelle c'est bon écoute on va voir alors c'est pas qu'il y en a de moins en moins un les Ninja des au c'est qu'il n'y en a plus du tout et il euh, y a plus de deck commandeurs justement parce que c'est un petit peu le nouveau produit d'entrée au jeu. Puisque avec la pandémie, bah les gens consommaient toujours des cartes mais je jouaient plutôt chez eux. Euh, du coup, le deck-commandeur, bah ça paraissait être juste bien, quoi. Ouais, ça, ça permet à Wizard, en fait, de ne pas avoir à, à gérer des événements compétitifs. Tu vois Genre, ils vendent du papier et les gens le consomment chez eux. C'est pour ça que c'est devenu le produit d'appel, le produit-commandeur. Mmh. Ok. Nice. Avec Shen au Smoke, mais c'est pas sur Arena. Non, mais il y, y a une autre synergie qui marche avec ces cartes-là. Je, je sais plus euh, exactement laquelle. Ouais, les decks Planeswalker n'étaient pas incroyables, mais c'était très bien quand deux joueurs ne savaient pas jouer et voulaient se mettre à Magic. Si jamais t'avais un joueur expérimenté qui voulait apprendre à un autre joueur, euh, comme l'expliquait PL, t'avais tout intérêt à plutôt monter toi-même tes decks avec tes communes et tes uncos de d'un format par exemple c'était quand même beaucoup plus sympa tu faisais une espèce d'archétypale arché... de draft et ça faisait le taf euh, par contre quand les deux joueurs savent pas jouer les soccer decks c'était très bien pour ça en fait là on est sur coma next turn, donc tu peux contre ici tu peux prendre contresort sort plutôt hein. j'ai fait ce coma et tu peux enlever un land ouais ça fait quand même coma donc tout va bien dans le meilleur des mondes Yeah. 3, 4, 5, 6. Peut-être que je bloque là. Hein. Il va falloir que tu bloques un peu, ouais. Ouais, j'ai bien bloqué même. Et encore que, même si tu bloques pas, tu vas regagner des PV tous les tours avec ton coma. Ouais, je sais pas trop. Ouais, quoi que tu as raison. En fait, les deux PV que je gagne. Euh, je tu, tu devrais les gagner là coma. sur euh, Coma, non Ouais. Sur Alors Coma, début de... de son tour, euh, je gagne 2 ouais Ça, c'est un deck budget qu'on avait présenté ce qu'il est en train de jouer. Si... Alors, je crois que si tu payes bien, tu peux garder contre-sort up, non bah, Même ça up. Ouais, bah vas-y, let's go. Le petit Pev a gagné. Okay. Et maintenant, faut pas qu'il nous tue à la Rich en faisant euh, mais tout massacre. Oh, stylé. Après, as un contre-sort si jamais il veut euh, nous tuer à la Rich comme ça. Ouais. Ah, si on peut toujours avoir euh, un de nos deux contre-sorts, up euh, on les ferait Donc le petit Pev, il est gagné. Si Pev, c'est plus ah, dur le, à tuer à la Rich. Le petit il met bien. Hein. Mmh. Alors ça, là, on prend combien? On prend 1, il gagne 1. 2. Et il va regagner des PF, donc on prend 3. Je pense qu'on meurt pas. Ok. Bah vas-y, laisse résoudre. De toute façon, on n'a pas le choix. Et là, s'il rejoue un spell, il nous il nous tue ou pas Non. Il nous met 1, il regagne 1. Ouais, Mino, il nous met 2 à chaque fois. Hein. Ah merde, si on a. Bah si, il nous tue. Euh, là, il va gagner son pev. Donc il faut que je ah, fasse que le divide by 0. Il maintenant euh, l'apprenti, je crois. Ou ouais. la Dina, je sais plus. La mais... Dina. Mais du coup, il nous tue ouais. à l'aggro, là. Putain. Euh... C'est ça la menace. Ah, je peux engager ça. Ah, bah il a le mana pour sacrifier en réponse et nous tuer. Ah on aurait dû bouncer à l'uptip, putain j'ai le seum. Ah en plus ses capacités on ne peuvent pas être activé. Non ça ça l'empêchait pas, ça l'empêchait pas. Bah si en début de tour mais bon, ça n'enlevait ne, pas le passif. Aïe aïe aïe, on s'est fait bourrer là. Ah il y avait mieux à faire je pense, on n'a pas trop réfléchi, on était en train de discuter. Ouais. Aïe 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 aïe, c'est dommage, mais on était en full win avec ce deck. Ça hein. a mis très vite beaucoup de pression quand même, hein. j'ai pas trop vu nos PV descendre. Ouais, parce qu'on a été un peu mou quoi, mais ce deck là il a aucune nouveauté, c'est le deck qu'on avait présenté en mode budget. Ouais. Ouais, je sais pas. Vas-y, tu, tu, tu veux pas remontrer une dernière fois les decks, juste enfin euh, les deux decks là, Simic et et Mono Noir euh, la... la gueule qu'ils ont enfin, Je trouve tes petits ouais. boosters de Camille quand même. Avant de, se, avant de se dire bonne nuit. On le façonneur de clone. Avant de se dire bye bye. Vase prédatrice. Okay. Ça, j'ai pas du tout à de la tester, tu vois. Non, moi non plus. J'aurais bien aimé ouvrir des dragons rares, là, celui oh. que t'aimais bien. Oh, petit garou que ça fait plaisir. Et j'ouvre pas les autres. <laughs> euh, le sacrifice. Genre, franchement, euh, la liste là, elle est carrée. Hein. Mec, c'est tellement dense. Et ça, tu vois, en side, tu peux mettre des duresses, tu peux mettre des goblins tu peux mettre des anti ah, de plus. Oh, c'est bien carré, ça. Mec, elle est ultime, la liste. Simic, c'est carré aussi. Ouais. En fait, tu, tu peux pas jouer tes ferries parce que s'installer dans les friches, ça devient nul, quoi. Ouais. Alors que c'est vraiment euh, très très cool. Non, je crois que cette liste-là, elle est trop bien. Hein. Mmh. Non, j'avoue, c'est cool. Non, Moi, je, je, je vais tester comme ça demain en, en BO3. Nice. De toute beauté. Peut-être ah, trop, de... trop de, de gros trucs, je sais pas. Non, t'as trouvé qu'on en avait trop bah, On s'en meulait souvent, donc euh, c'est vrai que si t'en as pas beaucoup et que tu te les meules, t'es deg, mais. Peut-être qu'on peut descendre à, à 5, tu vois, 4 ou 5. Non, je sais pas, franchement, le deck ne fait que ramper, quoi. Genre, clé des archives T4, c'est un, euh, un pâté le tour d'après, hein. c'est un pâté T5. Ouais, c'est même euh, tour 3, euh, des fois, clé des archives, avec le floridon. Non, non, je, je crois que la liste est étonnamment bien, quoi. Hum. Non, ouais, c'est stylé en vrai. Ouais, ouais j'aime beaucoup. On peut pas jouer Guinness, on est en, en alchimie et c'est seulement les cartes qui sont standard legal. Mec, je fais la petite game de trop, là. Tu ah veux ouais, quoi, là tu veux voir quoi quoi. Je sais pas s'il faut faire une game de trop. Hein. Ah ouais Tu voudrais pas un petit sacrifice, encore, là Allez, dernière de sacrifice. Allez. Allez, là. J'avoue que là, debout depuis 6h30... Ah, ça bégaye, là. Mais il y a Eric, un moment, t'as aussi envie que la journée ait finisse, tu vois. La petite d'air là. Oui, mais elle parce va se finir. Parce qui commence à streamer à 19h... Ils se sont levés à midi tu vois. Ah ils sont <laughs> pas mal. Mais avec cette main. T'aurais voulu partir sans jouer cette main Non, j'avoue, j'avoue. Mais c'est vrai que ça fait ça fait tard moi pour. Ouais, c'est la, la DR. Pour cette journée, cette longue journée. Euh... Non, la game de trop, c'est important, c'est important. Vous avez raison. Excusez-moi, le chat, j'ai je... faibli. J'ai faibli l'espace d'un instant. Ça, c'est ou ça. Ouais, on sait, au moins, on sait où il va. Cela dit, tu noteras qu'il ne joue pas les jeux. Donc, euh, à mon avis, il a un peu, peu d'épices dans, dans sa besace, lui. Un peu plus sur l'Uberlu. Oh, l'ours. Qui ne fait rien du tout, quand je le touche. Je, je ne faiblirai point. Ok. Du coup, on sait exactement où il va. Écoute, on va donner... ah oh, nice double block. J'aime bien. Nice. J'ai pris mon jour demain perso. Eh non, moi demain, j'ai pas, pas pris mon jour, Edion. Mais ça recommence demain beaucoup. matin, les gars. Ça ressemble presque à une menace. De bouboule dog Je prends l'antibateau. Ah, bon non, ça c'est pas très bien contre lui, non. Tu veux pas prendre juste une science Oui, je prends juste une science. Petite science, pépouze. Je fais... J'attaque avec quoi, ça C'est quoi que je veux sacrifier C'est ça que tu vas sacrifier, ouais Ouais, ouais bah ouais avec ça. ça ouais. Bah mais avec les deux en fait je m'en fous. Ah et tu bloqueras avec ton piqueur sinistre. C'est ça que tu veux faire, ouais. Ok. Loup Garou a aucune chance contre sacrifice. Ouais, je pense pas non plus, mais. Ouf. Mais qui a une chance contre nous de toute façon Pour deux, on sacrifie une bête, on gagne un point de vie en plus une carte. Okay. Ça c'est pas mal au grind. J'aime bien. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Oh, J'adore ce que fait ce deck. Télétravail, on peut regarder PL toute la nuit. Ça c'est bon ça. Franchement, je me disais, euh, tain, je resterai bien encore un petit peu là, euh, moi de mon côté, mais, euh, mais demain... Euh... Et au pire, si t'es motivé, euh, je t'abandonne j't juste et... Et en fait, demain, je me lève bientôt pour faire euh, beaucoup trop de voitures. Ah oui, effectivement. Du euh, coup, en fait, je pense que pour ma, ma santé et le fait que je ne meure pas au volant demain, il euh, ne faut pas non plus que je, je tarde trop. Quoi. Ouais. Je fais une petite science. de toute façon, là, pour, pour les ouais. amateurs de Belle Magie, ceux qui veulent en revoir, ceux qui veulent voir ce deck tourner, ceux qui veulent voir le deck Simic, ceux qui veulent voir les améliorations, le ladder et le BO3, demain matin, la Mativale, c'est à 10h. Hein. Donc en vrai là je vous donne rendez-vous dans dans 12, dans 12 heures. heures, un, un peu chrono. Mais... Ça va, en vrai. Ouais je vais tuer ça maintenant, j'ai pas envie qu'il fasse du malheur. On revient vite quoi, c'est ça, que... ça que je veux dire. Oh GG MTG Bolt, c'est vrai que tu peux drafter Chafour en fait, littéralement il a raison MTG Bolt. Ouais, avec les la 1-2. Ouais. Les listes de decks sont sur notre Discord juste à la fin du. du stream, là on les mettra euh, bouboule. Oh. Par contre... Si jamais vous êtes pressé, vous pouvez les retrouver directement sur notre Twitter. Pour exclamation Twitter. Au passage, lâchez un petit follow, ça fait plaisir. Ça nous aide pour le référencement et ça nous aide à, à avoir des réseaux sociaux plus importants. Notamment quand il s'agit de parler avec des boîtes, pour avoir des contrats, des OP, des trucs comme ça. C'est toujours bien d'avoir des réseaux sociaux avec pas mal, de, pas mal de followers. Et pour le coup, avec Pel, on est très actif dessus. Hein. Il y a de, ça poste tous les jours. Merci beaucoup MCG Ball pour le salut. Je fais toujours des trucs bien. On va le grind petit à petit. Même si nos PV sont bas, on devrait réussir à remonter. Si je joue pas des surprises, genre des gros dragonfly, Ace, on est là. Ça, tu vas le bloquer avec ton piqueur. Tranquillou. Ouais. Parce que ça, je vais le sacrifier. Merci euh, BouboulDog, Merci, Merci beaucoup. C'est quoi des OP Des OP, c'est des opérations spéciales. C'est quand tu essayes de, euh, de entre guillemets vendre ton image. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont payer pour que tu mettes en avant des produits ou alors que pour, tu, pour que tu joues à, à un de leurs jeux. Et c'est ce qui permet entre guillemets de mettre du beurre dans les épinards. Quoi. De pas seulement avoir de l'argent sur les pubs que tu mets ou alors sur le soutien de ta communauté mais de vendre entre guillemets ton image en tant que créateur de contenu. C'est faire de la pub pour, pour autre chose. Et c'est ce qui permet à terme à tous les gens que vous suivez sur Twitch et sur YouTube, tous ceux qui en vivent définitivement, qui deviennent indépendants et professionnels, c'est des gens qui sont capables de, au-delà de monétiser leur contenu et d'avoir un soutien de leur communauté, qui sont capables de négocier, d'avoir des opérations spéciales. Et nous, avec Pel, on n'en fait pas beaucoup euh, parce qu'on les sélectionne pour le coup. Sur YouTube, on en refuse, on les refuse quasiment toutes. Mais sur Twitch, de temps à autre, vu que c'est un contenu qui est quand même plus libre, on s'interdit pas de d'essayer d'en faire. Ça faisait un bail qu'on en avait pas fait. Et là, on en a une qui arrive pendant les vacances de décembre. Et, euh, et c'est très bien pour nous. Quoi. Le chat est en folie que tu n'aies pas pris l'enchant mythique, PL. Euh, ouais, je sais, les gars. Mais euh, je me suis dit, là, je ne vais pas le caster. Je préfère, euh, je préfère stabiliser un petit peu. Quoi. Ah bah oui, bien sûr. Je vous savais une deck. N'hésite pas. Euh, pour conclure et pour que tout le monde comprenne, bah, plus tu as des réseaux sociaux ou alors des, ton compte YouTube ou ton, ou ton Twitch qui a de la visibilité et un nombre de followers important. Et plus tu peux négocier des opérations de meilleure qualité, quoi. Des OPSP. Ok. Il joue un deck vachement chelou, euh, notre Oppo. Hein ouais. Bah écoute, tu peux aller piqueur sinistre tranquille. En vrai, j'ai l'impression qu'il peut jamais nous tuer, non Pas facilement, en tout cas. Genre, il y a un moment, tu vas EP la classe et puis. Tu vas juste mettre des dégâts à distance tout le temps. Mmh. Bah là je crois que j'ai posé mon massacre à 1. Bah ouais ok. Merde, je vais plus sacrifier en réponse, je crois que c'est rituel. Merde. Tu pouvais sacrifier, c'est-à-dire... Ah avec le chaudron. Ouais. J'ai ouais. cru que je peux les faire un rituel, mais pas du tout. C'est pas très grave. Euh, là bah je peux se bah, passer Vas-y, et tu ou se passe-moi après Ouais, se passe-moi après. Non, se euh, passe-moi. Ah, quoique. En fait, est-ce que tu vas aller chercher maintenant ta sortie des mascottes Non, je pense que c'est mieux de l'avoir euh, pour. Euh... Ok. Ah, quoique. Alors fais gaffe, c'est à contre-synergie. Hein. Ouais, ouais. Non, je vais avant Ouais, il n'y a pas de matchmaking, euh, et ça aura que tu rencontres euh, tout et n'importe quoi. Ça peut être des joueurs expérimentés comme des joueurs débutants. C'est les événements, il n'y a pas de matchmaking. Il euh... n'y a pas d'élo en fait. Il perd ses pèves. Hein. Ouais, bon, on va le grinder petit à petit. En vrai, là, il est déjà mort, il le sait juste pas. oh Je fais le malin, mais faire attention à ça. On hein. va tomber dans le ravin, la Val. Hein. Attention. Ouais. Euh... Ça se buff pas toute seule, si Non, c'est une autre. Alors, du coup, est-ce qu'il faut pas que tu up ta classe maintenant Ta classe sorcier Bah, si je fais ça, il le transforme en, en loup. Hein. Ah oui non okay, sur toutes ouais. ces bêtes. Sorti, sorti des mascottes et le tour d'après on, on buffera la classe sorcier tout en jouant J'adore. Mm. Bon pâté ça, hein. comme on aime. Euh, très bon pâté. Après contre nous ça fait pas grand chose, mais. mais bon pâté quand même, cela dit. Oh, bah, il est bon lui hein. Du dessus ouais, du pack. Il est Et donc là, tour d'après, tu fais Jadar plus Up, t'attaques à 4 2-1, et du coup, bah, tu lui mets euh, 4 dégâts. Et tu as l'étale le ouais, tour d'après. Ah putain, ah, mais elle n'est pas, pas au niveau, niveau 2. Ah, ah oui, j'ai pas parlé au niveau 2 préalable. Tu fais quoi J'appuie enfin, sur euh, ce que je pouvais faire. Oh. bien ça c'est moi je préfère fait, dispute mortelle parce que t'es low en pv ouais, c'est pas con là tu peux jadar tu fais fumer nécrotique en sacrifiant ton 3-2 sur son ouais sur son 5-5 exa. et tu gardes dispute mortelle sur le token du jadar fin de tour mm. On est doux ici, hein. on est très bien. Ok. Je peux aussi, si on veut gagner des PEV, sacrifier le token pour gagner un PEV et piocher une carte. En plus, si jamais on en a besoin, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi il joue ça, ça a l'air un peu naze, non mmh, Ouais. Bah ok ouais, non je pense que tu vas juste aller faire dispute mortelle et... Et on est bien. On le draine. Je oh, sais pas si t'as pas déjà gagné là. Hmm. Alors là tu fais... tu up ta classe définitivement, tu attaques avec ta 2-1. Et avec... Euh... Massacre au croc de boucher, une fois que t'as attaqué, t'as pas gagné Je peux te tuer. Euh, je sais pas. Euh, ouais, si, euh, il est mort. Faut que je mette 4, ouais. en fait. Ouais, c'est ça. Et tu les mets en pétant ta 2-1 et t'as 1. Nice Oh, sweet Ma sweetance. Ah, c'est vraiment très, très sweet, ouais. Nous, on va gagner un PV, lui va en perdre 2. Et. Oh trop bien, tu Le vois. Mec, il est belle ultime. petite mec. game de trop. Il est vraiment ultime. Mmh. De mmh. ouf. Ah ben bah, c'est c'était un... un plaisir ce soir. Ouais, franchement l'alchimie on a on a bien rossé, c'était fort sympa, ouais. on a pu tester les... des nouvelles mécaniques et des nouveaux decks qu'on voyait pas en standard. Mmh. De ouf, ça fait plaisir. également Ouais, j'espère que ça vous a plu, à vous aussi le chat. Vous avez été très nombreux ce soir à nous suivre, donc merci beaucoup à écouter nos bêtises et à regarder nos bêtises, bien évidemment. Plus important. Comme on vous l'a dit, ça reprend demain matin à partir de 10h pour un maximum d'alchimie. Ça sera de l'alchimie, n'en doutez pas. Euh, yep. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour la présence. Yep, comme à chaque fois, euh, j'espère vous faire un maximum de stream euh, pour ma part ce week-end. Euh, mais euh, mais c'est un week-end assez, assez aléatoire, donc euh, je sais pas quand je pourrai. Mais il y a un monde où demain après-midi, je sais pas quelle heure tu finis, Val, mais je devrais rentrer chez moi vers euh, 14h-15h. Ouais, j'aurais euh, fini, je pense. Peut-être que euh, à ce moment-là, voilà, si t'es plus en live, euh, je pourrais reprendre un petit stream d'après-midi euh, à la cool. Euh, yes, euh, ça, va, ça va dépendre de, de ma matinée. Des bisous à tous, merci de nous avoir suivis, merci pour les follow, pour les subs, pour les. pour votre présence tout simplement, pour vos messages dans le chat, ça régale. Et pour les viewers de l'ombre aussi, euh, vous êtes là, on vous oublie pas, on vous sait. Euh, merci aussi d'être là. Vous pouvez mettre un petit message dans le chat, ça fait plaisir, mais c'est pas grave. Restez viewers de l'ombre, ça régale aussi. Des bisous à tous, demain 10h Mathival. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Ciao, tout le monde. Ciao tout le monde.